merci d'être avec nous sur RTL. Nous allons donc vous aider comme nous le faisons régulièrement avec notre avocat de Maître Novakovic, votre avocat de pénaliste qui va vous donner les meilleurs conseils. Bonjour Sylvie. Bonjour Julien. Ça va bien ? Très bien. Bon, alors c'est la première de Céline à son nouveau poste. Oui. Ça va, ma Céline ? Bonjour, bah pour l'instant ça va, on démarre bien. Vous n'avez encore rien fait, alors évidemment c'est pour que ça va. Ça va bien ? C'est plus tard que ça va se gâter. Notre salle des appels, mesdames et messieurs, est là, prête à vous aider, prête à négocier. Il y a, par ordre d'apparition, Monsieur Hervé Pouchol, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien. Il y a maintenant celle qui prend son rôle aussi, hein, pour la première fois aujourd'hui et de manière régulière, Laura. Bonjour Laura. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et Monsieur Sabat est là également, bonjour Bernard. Bonjour Julien, bonjour Olivier à tous. Dauvert, vous êtes avec nous, puisqu'on vous retrouvera tout au long de la matinée, notamment pour un fameux... Lequel des deux ? Et c'est vous trois qui allez jouer au lequel des deux, et puis bien sûr, il y aura des arnaques derrière l'étiquette. Là, nous attaquons le cas de Didier, il a besoin de nous et nous allons l'aider. Alors Didier, c'est parti, vous avez l'habitude de parler, de synthétiser, vous avez dû faire des réunions dans votre vie, mettez-lui une musique chrono, je vais vous donner... généreusement 35 secondes voire 40, je laisse 5 minutes de débord pour nous expliquer pourquoi vous êtes avec nous et j'ai envie de vous le dire, bon courage vieux. Qu'est-ce qu'on dit dans le... très gentil dans notre métier. Pas mettre la pression. Allez-y. Eh bien écoutez, il y a un an, jour pour jour, on a décidé d'installer un insert cheminée sur notre cheminée actuelle qui est un foyer ouvert, donc nous avons fait appel à EFI. Qui devait se charger de... Est-ce qu'on vous a bien précisé de ne pas donner le nom de la société non. Non. D'accord, parce qu'en général, il ne faut plus le préciser, parce que quand on le précise, les gens le disent systématiquement. C'est ça. Bon, on m'appelle de toute façon, allez-y. Voilà, qui devait se charger de tout, la partie administrative, puis la partie installation technique. Donc, elle nous a mis en relation avec un installateur qui s'appelle... Ouais. Voilà, du coup, n'allez pas donner, puisque je viens de... vous expliquer, donc, il y a quelques instants qu'il valait mieux éviter de le faire, parce qu'après, les gens ne décrochent pas. Et donc... ouais, en plus, c'est terminé au niveau du temps. Bref, et qu'est-ce qu'il a fait, cet installateur ? Cet installateur, il est venu faire une visite technique. Il a fait un devis, donc nous avons accepté ce devis. Nous avons versé un acompte de 2000 euros en janvier. Et puis, depuis un an, il n'y a pas de son, pas d'image. Bon, donc... Nous avons fait une mise en demeure pour qu'ils nous disent « Vous nous remboursez ou vous installez, vous êtes en mesure d'installer ». Il a dit, il a répondu, j'ai des difficultés financières, peut-être qu'au deuxième trimestre, je pourrais éventuellement vous rembourser en échelonnant. En échelonnant, donc les gens vous prennent un compte, ne viennent pas, et dans leur grande générosité vous disent, je vais peut-être, c'est le peut-être moi, vous rembourser pour n'avoir rien fait, mais en plusieurs fois. Donc face à cette position très précise, je suis un petit peu perplexe. Bon, alors nous allons essayer d'avancer. Céline, est-ce que nous avons deux, trois petites choses dans ce dossier à dire avant d'attaquer les conseils de Maître Novakovic et surtout l'appel là-bas. C'est Bernard qui va s'en occuper. Céline. Il y a des choses qui plaisent quand même dans le dossier. Tout n'est pas catastrophique. Déjà, c'est une entreprise qui a l'air sérieuse parce qu'elle est reconnue garantie par l'environnement RGE, ce qui vous permet derrière de demander des aides pour installer. Dans votre cas, vous auriez eu le droit à 2500 euros d'aide pour installer cette cheminée. Il est également assuré. Donc ça, ça rassure. Par contre, ce qui rassure un peu moins, c'est qu'effectivement, il a l'air de nous dire, ce monsieur, cet artisan, qu'il a des problèmes financiers. Il ne s'en cache pas, il vous l'écrit dans un mail. Il a un petit ton qui dérange un petit peu. Ah bon ? Oui, il est bien clair que votre acompte vous sera remboursé, ben c'est super. Si votre choix est un remboursement, il sera validé en échéancier. Actuellement, la trésorerie de mon entreprise est asséchée tel un désert aride. Ça, c'est un ah ouais. Et à la fin, imaginez bien que si tout dépendait que de moi et de moi seule, nous n'aurions pas un tel échange de mails. Vous seriez en train de chauffer votre maison et je serais en train de déguster une coupe de champagne. Tout ça, il l'a écrit. Hein. Il l'a écrit. Donc, dégustons du champagne ensemble, pourquoi pas, mais un salon de la cheminée surtout. Alors, elle a parlé d'un petit ton, Olivier Dauvert, si vous voulez donner le prix du ton au kilo, puisque vous êtes là pour donner toutes les étiquettes, allons-y. En boîte, vous aurez du mal à le trouver à moins de 15 euros le kilo pour un ton de qualité, plutôt de l'albacore. Non, mais ne rigolez pas parce qu'on ne peut pas le piéger. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle nourriture, il vous donne le prix au kilo. Bon, allez, règle d'or, Maître Novakovic. Alors, espérons que ça va bien se passer. Je me méfie toujours de ce genre de mail où les gens font un peu d'humour, parce qu'après, malheureusement, ça veut dire qu'ils prennent ça d'un peu haut. Règle d'or tout d'abord avec Maître Novakovic. La règle d'or. Sur ce dossier, que peut-on dire ? Déjà que ça nous énerve, forcément. Ben oui. On a assez de ces artisans qui prennent à compte, qui ne font rien derrière. On a encore dans ce cas-là... Bon, écoutez, vous êtes là, tant mieux.
Cela étant, le réflexe qu'il faudra avoir. Excusez-moi, est-ce que vous avez bu avant de venir en plateau parce qu'on est un petit peu inquiet? Non, mais c'est qu'il aurait fallu quand même faire un référé d'assignant référé. Oui. Il reconnaît, c'est extraordinaire, il reconnaît devoir. Oui, oui. Donc le titre sera obtenu sans difficulté. Donc là, j'espère pour vous qu'il va payer. Mais s'il ne paye pas, il faut attaquer tout de suite. Hein. On va réouvrir la salle de dégrisement, s'il vous plaît. Que l'on ouvre qu'en fin de semaine. L'énergie ne veut pas non, dire. Non, mais c'est pas ça, c'est assez bizarre, c'est de dire. Non, parce que écoutez, ceci est tout à fait scandaleux. Bon, vous êtes là. Bon, effectivement, il est là. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Il est venu. Heureusement qu'il est là. Sinon, il n'y aurait pas de problème. Bon, en tout cas, on va l'écouter. Ça veut dire qu'elle prend votre dossier très à cœur. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est énervant. Bernard Sabat, de votre côté, vous allez lancer les appels. Qu'avez-vous dans votre besace, Bernard? Vous allez être déçu. Ma besace vient d'avoir un gros trou. Tout simplement parce que le portable que nous avions précédemment de ce monsieur n'est plus en service. Et j'ai appelé le fixe et je suis tombé sur une plateforme, vous savez, une domiciliation qui m'a bien expliqué que ce monsieur-là n'était pas dans les locaux, qu'on prenait son courrier. Mais on m'a dit, on va quand même lui laisser un message. Aurait-il un autre numéro peut-être? Ils n'ont pas voulu me le donner. Nous allons nous sortir le porte-voix et pour interpeller ce monsieur, dans le seul but que les choses soient claires, qu'il nous dise, vous vous êtes trompé, je ne peux pas laisser dire ça, et de trouver une solution. Nous ne voulons que ça. Mais si ce monsieur doit des sous, coupe sa ligne, etc. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens commencent à se faire des idées sur l'élément intentionnel de la chose. En tout cas, vous êtes là, comme l'a dit Maître Novakovic, et nous n'allons pas vous laisser là pour rien, bien évidemment. Donc j'attends un tout petit peu pour le porte-voix, mais enfin, bon, je ne vais pas attendre bêtement, puisque de toute façon, il a coupé son téléphone, Bernard. Oui, le portable est bien coupé, Julien, et il n'y a pas de doute là-dessus. Okay. Par contre, le fixe, on attend un retour. Il s'agit d'un Pierre, c'est ça son prénom, hein, Bernard. Oui. Bon, alors, exactement. Je vous laisse encore quelques secondes et puis après on s'occupera de tout ça. On va s'occuper de Valérie qui est partie. Ouais, c'était où ce petit voyage ? En Égypte. En Égypte. Mmh. Elle a payé une fois, elle a payé deux fois et elle vient vite parce qu'elle se dit ils vont finir par me faire payer trois fois. C'est de ça dont il sera question. Restez avec nous, tous vos problèmes, ça peut vous arriver @m6.fr et vous venez nous voir et nous vous aiderons bien sûr. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, Didier, est-ce qu'on a eu le temps de parler de... Mais si, on a parlé de Sèvres ou pas tout à l'heure, Laura? Oui. On en a parlé, oui. C'était pour... parce que Stan Vignon, qui est quand même le patron de l'émission, que vous voyez, là, faites un petit coucou avec la main, Stan. Voilà, c'est notre chef d'édition, vient de me dire, ça serait bien qu'on parle de sa ville. Donc, ce qui veut dire que le chef d'édition n'écoute pas l'émission. Pouvez-vous nous dire sur quelle télévision êtes-vous actuellement, mon cher Stade ? Parce que s'il y a un meilleur programme, qu'on y aille. Écoutez, je suis actuellement sur M6 et je peux vous dire que nos téléspectateurs d'M6 n'ont pas entendu parler de la ville de Didier, Julien. C'est pour ça que je vous le suggérais. Mais ce que je peux vous dire en attendant, c'est que ça ne répond toujours pas ici en salle des appels. Bon. Je peux peut-être vous mettre derrière vous la photo de la cheminée que voulait remplacer notre ami Didier. Donc ça fait maintenant plusieurs mois qu'il attend. Regardez, pour remplacer cette cheminée, voilà, qui est un petit peu vieillotte. Oui, et c'est pour ça qu'il avait versé ses 2000 euros. De porter des jugements comme ça sur les cheminées de nos téléspectateurs qui nous font l'amitié. Elle est outrée, Valérie. Elle vous assure, elle est comme ça. Oh, c'est un cheminée qui est un peu vieillotte, mais dites donc. Elle est très belle, cette cheminée. Si elle est si bien que ça, pourquoi est-ce qu'il veut la remplacer? Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il devait vouloir? Un insert. Un insert. Voilà, bon, ok. Bon, ceci étant dit, c'est vrai qu'elle est un peu vieillotte. On va pas se mentir. C'est le pare-feu devant, surtout. On s'en occupe. Vous avez une cheminée chez vous, Valérie? Oui. C'est bon, un bon feu de bois. Hein. Oh, et vous, mon cher Laurent? Ah oui. Également? Ah oui. Voilà, belle conversation qui ne sert plus que moi. Elle fait un peu égyptienne. La vôtre? Non, la cheminée Alors attendez, vous parlez de Céline de Manuel? Non, je regarde. De la cheminée de notre ami. Ah bon. Vous trouvez qu'elle fait égyptienne? Voilà. D'accord. Vous pensez qu'elle fait égyptienne? Bon, l'entrée dans le temple. Dans la cellule de dégrisement, il y a deux personnes. On envoie d'abord Maître Novakovic et ensuite vous m'envoyez Laurent pour qu'il prenne la parole parce qu'il dit que c'est une. Essayez de me trouver une photo d'une cheminée égyptienne. Je comprends parce que personnellement, je ne savais pas que les Égyptiens avaient des cheminées comme ça dans les pyramides. Bon, cette émission s'annonce sous les meilleurs auspices, mesdames et messieurs. On y va, on continue d'attaquer, si vous le voulez bien, le cas de Didier maintenant. RTL. On va pas tergiverser, ce monsieur a coupé. Alors déjà, on vérifie le numéro et Bernard, faites en direct le numéro parce que c'est quand même assez grave. Vous avez bien compris que nous avons, et vous nous le résumez, le cas de Didier, s'il vous plaît, Céline, qui est là, pourquoi? Il a versé en acompte plus de 2000 euros pour un insert pour sa cheminée. Ça fait un an qu'il attend les travaux. L'artisan promet de rembourser, mais on attend toujours les sous. Alors, sur RTL M6, voilà. Votre correspondant n'est pas joignable. Veuillez le rappeler ultérieurement. Ah, ça ne veut pas dire qu'il a coupé la ligne. Vous voyez un texto. Welcome to
ou pas? Alors Bernard, je pense que j'ai dû comprendre la version anglaise juste après, j'ai dû confondre. Non, 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 non. En fait. Je suis désolé, mais quelle bande de branquignoles. On est en train d'annoncer sur l'antenne, il a coupé la ligne, il est parti, il est à Madagascar, caché dans la forêt. Le pauvre, il a tout simplement coupé son portable parce qu'il est en train de faire autre chose. Bon, alors on lui laisse, il ne peut pas laisser de message pour l'instant, c'est ça? Exactement. Bon, on attend un petit peu, on peut lui envoyer un texto, vous lui avez envoyé? Bien sûr, pas trop. Je fais des bêtises, mais pas jusqu'au bout. Vous ne lui avez pas envoyé un texto puisque vous pensiez que la ligne n'existait plus. Bon, c'est plutôt bon signe, vous voyez. L'avantage avec nous, c'est qu'il y a toujours un peu d'espoir. C'est-à-dire qu'on annonce une mauvaise nouvelle, mais les gens se disent attends, ils n'ont pas dû bien faire leur boulot. Si ça se trouve, ça va s'arranger, ils ont bien raison. Sur quoi va-t-on en avance en attendant Didier, mon cher Stan? Nous allons aller sur le cas d'Alexandre qui est en ligne. Bonjour avec Alexandre. Bonjour Julien. C'est Julien, effectivement. Alexandre, c'était cette histoire de fenêtre. Alexandre, vous nous appeliez d'où? Là, je suis en Suisse, à La Chaux-de-Fonds. Il est en Suisse. Tu parles, et il veut avoir des nouvelles de ses fenêtres. Parce que le pauvre, il en a commandé 13. Et alors, c'est un peu bête, mais il n'y en a qu'une seule qui est aux bonnes dimensions. Donc, ça ne l'embêtait pas, c'était à cause de l'argent. Oui, je me rappelle, il y avait des problèmes de profondeur, de largeur, enfin bref. Exactement. Que s'était-il passé, Hervé, quand on avait appelé? Écoutez, il était plutôt de bonne composition, ce monsieur, hein, d'après mes souvenirs, et il devait venir terminer les travaux. Bon, eh bien, nous allons demander tout de suite et poser la question de confiance à Alexandre. Alexandre, est-ce que ça a bougé un petit peu en ce qui concerne ce dossier? Ah oui, complètement. Ah. Il m'a rappelé 15 minutes après dans le taxi, en partant de l'émission. D'accord. J'ai rendez-vous à 17h aujourd'hui. Bon, il a compris votre démarche, il ne s'est pas énervé, parce que souvent, après, les gens se font engueuler. Oui, vous avez parlé de moi, à la télé, à la radio, etc. Ouais. Mais on l'a fait parce qu'il ne se passait rien, monsieur. Sinon, ça ne nous aurait pas amusé de venir. C'est exactement ça. Puis après, il l'a bien compris. Bon, alors, donc vous avez rendez-vous avec lui et il convient que ça a été mal posé. Bah, oui, au téléphone, j'ai cru comprendre ça. Après, on va voir en vrai. Bon. Super. Eh bien, écoutez, vous me tenez. Alors, de qui parle-t-on, là, exactement? C'est de MG Aménagement? Exactement, monsieur Marguet. Bien. Alors, monsieur, vous me tenez au courant et vous me rappelez dès qu'il y a du nouveau. Voilà, ça, c'était fin de semaine dernière. C'est pour ça que cette émission doit se suivre comme un feuilleton. Parce qu'on n'arrive pas à régler le jour même. En général, les gens réfléchissent, se parlent. Et on a donc des avancées. N'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre. Merci. Profitez-en merci pour faire un petit coucou à la famille et aux collègues. Vous qui êtes en Suisse, qu'est-ce que vous faites en Suisse, d'ailleurs? Moi, je travaille. Oui, mais vous faites quoi là-bas? Je suis un chef de projet en installation chauffage. Il est chef de projet parce que tu m'étonnes, quand tu passes la frontière, tu tripes ton salaire. Ben oui, il a bien raison. Ben écoutez, il aurait tort de s'en priver. Hein. Bon, ben merci Hervé. Vous n'avez pas triplé votre salaire, vous êtes resté du mauvais côté de la frontière, malheureusement. Non, mais je peux déménager. Est-ce que ça vous dirait d'être envoyé spécial en Suisse, Hervé? Mais ça m'arrange bien, oui, surtout en ce moment. Vous savez quel est le salaire d'un caissier ou d'une caissière en Suisse? J'avais entendu, c'était pas 3 000 ou 4 000? 4 000 euros. 4 000 euros. Et en France? En France, c'est souvent au niveau du SMIC, voire 10% de plus, mais pas beaucoup plus. Mais du coup, les Suisses doivent venir faire leurs courses en France? Et effectivement, les magasins frontaliers, il y a quelques Leclerc, notamment à Annemasse, ils récupèrent une clientèle suisse à très fort pouvoir d'achat. Et donc, évidemment, en plus, ils achètent des super produits avec leur pouvoir d'achat, ils sont très heureux, les magasins frontaliers. Et crise du logement également en frontière, parce que du coup, ils ont un tel pouvoir d'achat, nos amis qui travaillent en Suisse, que les autres ne peuvent pas lutter avec lui, c'est un truc de dingue ça. Merci beaucoup. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. On patiente pour Didier et nous allons avoir beaucoup de choses, et notamment le journal des arnaques, avec une thématique, une petite thématique voyage, avec notamment Valérie, qui elle, a payé deux fois, mais également avec Alexandra. Hein. Je crois que le booking.com a été piraté. Oui, en fait, elle est gérante d'un hôtel et il se trouve qu'elle a reçu des messages, ses clients ont reçu des messages, elle s'est fait usurper son compte Booking, une grosse arnaque qui a valu aux clients de payer plusieurs fois leur réservation. Alors comme vous pouvez le constater, hein, Céline ce matin, c'est sa première, est très documentée, je vous donne rendez-vous dans 6 mois, ça sera du tout la même musique. Enregistrez l'émission d'aujourd'hui et réécoutez dans 6 mois la façon dont elle présentera les cas, vous verrez que ça sera beaucoup plus approximatif. Mais demain, hein, pas 6 mois. Elle n'attendra même pas 6 mois, qui est en général le délai obligatoire et réglementaire. Bon, c'est un vrai bonheur de vous avoir là, en tout cas Céline. On avance, mesdames et messieurs, sur les différents cas. Vous suivez, ça peut vous arriver.
Alors, nous allons faire rentrer Alexandra, justement, qui est là, qui attend sur le bord. Venez me rejoindre, Alexandra. Vous passez par le milieu, faites pas le tour. Là, on est sur l'antenne, vous pouvez y aller. Nous, on travaille à l'ancienne. Bonjour, Alexandra. Oui, parce que sur différents plateaux, on fait en sorte de pas passer devant les caméras. Mais je vais vous dire une chose, nous, on passe devant les caméras parce que personne s'en aperçoit, de toute façon, puisque ceux qui tiennent les caméras et qui sont originaux ne regardent pas. Alexandra, soyez la bienvenue. Merci, bonjour. Bon, alors, vous-même, vous avez été. Donc, vous avez une copine, hein, puisque c'est Booking, vous aussi. Voilà, elle s'est fait débiter deux fois, vous c'est autre chose, on fera une petite thématique. Vous, du coup, qu'est-ce que c'était exactement? Ça a été piraté et vous êtes fait avoir comment? On détaillera ça tout à l'heure. Alors moi, j'ai un hôtel dans le sud de la France. Ouais. Et les clients, les hackers ont envoyé 370 mails frauduleux aux clients pour leur demander de redonner leurs coordonnées bancaires, leur réservation allait être annulée. Et maintenant, les clients vous appellent en vous insultant, en vous disant « il faut me rembourser ». Ça nous arrivait, oui. Ben, je me doute. Alors, ça représente un préjudice de combien, 360 clients ? Alors, il y en a beaucoup qui ont annulé. J'en ai à peu près, peut-être, je ne sais pas si c'est l'annulation est due à ça, mais j'ai eu 80 annulations. Ouais. Et il y a 7 clients qui se sont fait voler. Mais ceux qui ont payé deux fois, il y en a qui ont payé deux fois, qui ont payé une première fois légalement, et puis après la deuxième fois on leur a dit il faut repayer, d'accord. Elle est incroyable, ça, j'avais jamais entendu parler de cette arnaque là-haut. C'est malin. Ah mais ils sont presque trop malins. Bon, il est où votre hôtel? Parce qu'on va venir évidemment. À Villefranche-sur-Mer. Très bien, c'est un petit hôtel, un gros, un moyen? C'est un hôtel de 41 chambres. Combien d'étoiles? 3 étoiles. D'accord, alors qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas la quatrième par exemple? Il faudrait qu'il y ait quoi? Parce qu'on vient juste d'avoir la troisième. Ah, pas mal. Ouais. Ah bon, on dormait sur le parking par terre et petit à petit, voilà. C'était un zéro étoile. Elle s'est dit, mais tiens, on va mettre un plafond, un lit. On va mettre un lit, ce qui nous a permis d'avoir M. Courbet tout de suite la première étoile. Eh bien, ça n'arrête pas de monter. Comment il s'appelle l'hôtel? L'hôtel Le Provençal. Voilà, ben voyez, ça sert à rien. Franchement, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, c'est propre. C'est, hein, je suppose qu'on y est très bien dans les champs. Oui, oui. Ben voilà. Donc vous allez là-bas passer vos vacances et tout va bien. Hein, Olivier Levert. Avec grand plaisir. D'accord. Vous allez souvent faire des tournées là-bas de Super. Bon, je ne fais que ça. La prochaine chambre. Je vis à l'hôtel. Vous ferez travailler madame. Bon, on s'occupe de tout ceci. On va voir si pour Didier, il est question de sortir le porte-voix puisqu'on a envoyé un texto à cet artisan qui n'est pas venu et qui a pris l'argent. Le journal des arnaques et Marie-Cécile, à qui l'État, je le rappelle, le fisc réclame 2 millions d'euros alors qu'elle n'a rien fait. C'est son mari qui a fait des bêtises et toute la famille paie pour lui. Et lui reconnaît les faits, mais pour l'instant n'est pas inquiété apparemment. Julien Courbet sur RTL. Merci d'être avec nous, de passer la matinée en notre compagnie. Nous sommes dans la partie où nous vous aidons et nous avons Isabelle qui est avec nous. Isabelle, bonjour. Bonjour, Monsieur Courbet. Bon, bonjour à toute l'équipe. Monsieur Courbet, Isabelle, franchement. Julien. Bonjour, Julien. Non, Monsieur Julien. Non, oh, pardon. Évidemment, je plaisante, Isabelle. Vous bonjour, nous appelez d'où, Monsieur Julien? Vous nous appelez d'où, Isabelle? Canada. Alors, très bien, Isabelle, je rappelle que c'était un problème de travaux catastrophiques que Céline avait beaucoup apprécié. Elle est capable d'ailleurs de le résumer maintenant dans les moindres détails. 6 000 euros pour une cuisine catastrophe. Et pourquoi est-ce que j'ai beaucoup apprécié ce dossier? Parce que ce monsieur ne venait pas sur le chantier, mais il envoyait des photos de lui à moitié dénudé. Ah oui, c'est vrai. À Isabelle. Peut-être qu'il y aurait moyen qu'on se mette ensemble, qu'on fasse des petits trucs, mais tant pis pour ta cuisine. C'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte dans cette émission? Donc, non seulement il ne vient pas, alors les photos, je suppose, seront sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. On a enlevé la tête de ce monsieur où il posait, je me rappelle, Sam, ce monsieur est debout et se prend le torse, c'est ça, il lui envoie ça. Exactement, il se prend, je crois, dans la salle de bain et puis il est même, ouais, le torse en caleçon, quoi. On peut dire qu'il montre même le haut de son pubis, pour ne rien vous cacher, Julien, et il montre aussi un petit peu, voilà, ses abdos, etc. Il fait clairement du gringue à Isabelle. Mais voilà, en fait, alors attention, texto. C'était pas pour se moquer d'elle ou c'est qu'il essayait de la draguer. Donc non seulement il vient, les travaux sont pas faits, mais il essaie de compenser peut-être par des petites faveurs, c'est ça. Il vous avait fait des avances très claires, Isabelle? Oui, très clair. Bon, alors, 6 000 euros en attendant, il avait été ou laissé en plan, il ne revenait pas. Hervé Pouchol, dès qu'il s'agit de torse nu et de pubis, c'est à vous que nous confions ces dossiers. Qu'est-ce qui s'était passé? Bah, moi, je lui fais des avances aussi. À qui, à lui? Je lui fais des avances, ben oui, mais par SMS. Oui, alors? Ben oui, j'ai utilisé la technique. Ben, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et il n'a pas du tout répondu à mes avances. J'ai essayé de le contacter par téléphone. Impossible, il ne répond pas, ce monsieur. Il est méfiant, quoi, hein, comme bon, garçon. Alors, on y va. Alors, ceci étant dit, on va essayer de le rappeler. Maître Novakovic, le fait, il a le droit de la draguer. Je veux dire, est-ce qu'on est dans l'illégalité d'envoyer des photos comme ça, torse nu? Dans le contexte expliqué par Isabelle l'autre jour, je considère qu'effectivement, on est dans le harcèlement sexuel parce que ça ne datait. C'est pas une fois, c'est pas un fait, c'est pas une photo. C'est qu'elle n'arrêtait pas
de la harceler d'après ce qu'elle nous a dit. Et donc, ça devenait très, très, très lourd au point qu'il lui a fait signer un devis. Oui. Ah, d'accord, ok. Antérieure à la signature de devis. Vous voyez, c'était quand même assez pressurisant pour elle. Bon, alors on y va. On parle bien de Florian, ma chère Céline. C'est ça. Alors on y va. On rappelle ce monsieur et puis on va relancer le porte-voix. Enfin, voilà, s'il veut se débarrasser de cette histoire, il vient, il finit les travaux, ce qui me semble être la moindre des choses. Vous vivez la même situation avec des gens qui ont été comme ça, un peu entreprenants. Ça peut vous arriver à @m6.fr. Ben, on y va, on fait le numéro. Ça sonne. Attention. Voyons si ce monsieur va répondre. Oui, bonjour, pardonnez-moi de vous déranger, c'est Florian ? Allô ? Oui, Florian ? Allô, allô ? Oui, Florian ? Oh, voilà, Florian m'a reconnu. Oui. C'est, je pense, ce que l'on peut conclure. Donc, Florian Gervais, je le rappelle et je lui laisse un message, car vous allez voir que nous allons cette fois-ci tomber on the messagerie. Ça, c'est 25 années d'expérience... De père en fils, mon grand-père déjà animé une émission, mon père aussi, mon fils le fera également. C'est parti. Le grand classique. Voilà. Nous sommes à Doulens, D-O-U-2-L-E-N-S, 80. Je comprends pas pourquoi. En plus, on en a déjà parlé, ce monsieur ne règle pas le problème. C'est de la folie. Donc, vous voyez, il m'a reconnu. Donc, maintenant, on va tomber sur la messagerie, mais on va lui laisser un petit message à ce monsieur pour bien lui dire qu'il peut nous appeler quand il le veut pour donner messagerie sa version des faits. Bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, bonjour Florian Gervais, Julien Courbet. Je viens de vous appeler à l'instant et vous avez raccroché. Je pense que vous m'avez reconnu. Ou pas, peut-être que c'était un problème technique, auquel cas je vous demande de nous rappeler au numéro qu'on va vous laisser. On cherche à joindre donc Florian Gervais de Home Protect à Doulens concernant le cas d'Isabelle qui attend désespérément que ses travaux soient terminés et que l'on termine également la relation d'ailleurs qui n'a pas commencé entre vous puisqu'apparemment vous lui avez envoyé des petites photos. Olé, olé, réglons ce problème monsieur, on va pas s'appeler toutes les semaines, c'est ridicule et c'est la moindre des choses je pense. Donc on s'appelle en antenne, on règle le problème et on n'en parle plus. Merci beaucoup et puis alors, si vous estimez on a dit des bêtises, et ben vous nous appelez, vous êtes prioritaire pour nous dire tout ce que vous souhaitez, on vous laissera tout le temps qu'il faut. Vous vouliez rajouter quelque chose, Céline ? Oui, vous dire quand même que ce monsieur, il avait vu tous les messages que je lui ai envoyés. Ouais. Avec Hervé, on s'était fait passer pour des personnes de Tinder, il a vu nos messages, et pour autant, ça marche même pas. Bon. C'est quand même dingue. Non, non, parce que évidemment, il y en a que pour vous, Isabelle, on a tout essayé. Hein. Envoyez les plus belles filles de la rédaction, il n'y a que vous. Bon, il répond, on essaie de la voir, Isabelle, restez près du téléphone. Je vous dis à tout de suite, Isabelle. Merci. Ça peut vous arriver, continue, RTL M6, avec énormément de cas, et nous allons aider cette dame, je vous le rappelle, 2 millions d'euros, et qui a découvert que son mari avait une autre vie, une vie où il dépensait beaucoup d'argent, et c'est elle qui doit payer aujourd'hui. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, reviens dans un instant. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours dans la deuxième partie de l'émission où nous vous aidons, mais nous allons ouvrir une toute petite parenthèse. Nous avons eu l'occasion, pour ceux qui n'étaient pas là en début de matinée, de parler notamment des problèmes des agriculteurs vis-à-vis des fast-food, avec du fumier qui a été déposé dans un McDo. Mais vous nous avez expliqué que pourtant, les grandes enseignes jouent la carte française. Néanmoins, certains réagissent et disent « Oui, mais est-ce qu'ils achètent au bon prix ?» C'est bien beau de dire « J'achète français », mais si c'est pour nous saigner, ça ne sert à rien. Ils ont bien raison, parce que c'est pas parce qu'on achète français que c'est automatiquement au bon prix. Il faut juste comprendre comment les prix sont fixés. C'est la fameuse loi de l'offre et de la demande. Voilà pourquoi, moi, quand je milite pour qu'il y ait l'origine sur les produits, c'est pour qu'il y ait plus de consommateurs encore qui achètent français au détriment d'autres produits qui viendraient d'ailleurs, parce que plus on sera nombreux à acheter français, plus on va soutenir mécaniquement les cours, et donc McDo achètera lui aussi à un prix plus élevé, la viande aux agriculteurs. Fin de la parenthèse. Voici maintenant, mesdames et messieurs, Stéphane qui est avec nous. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Stéphane, vous nous appelez d'où ? Blanchefosse. Vous avez bien raison, Stéphane. Que faites-vous dans la vie ? Je suis agriculteur. Eh bien, justement, Stéphane, vous voyez encore une fois que ça vaut le coup d'arriver 3 minutes avant en préparant les émissions. Elles sont beaucoup plus homogènes. Qu'est-ce qui lui arrive à Stéphane, Céline ? C'est sa femme qui a commandé un véhicule à 4 300 €. Le véhicule est plein de défaillances. Sa femme est passée à l'antenne la semaine dernière. On avait pas mal avancé sur le dossier. On va prendre des nouvelles de lui. Alors, qui s'était occupé de ce cas ? C'est vous, d'ailleurs ? Oui, la petite Colonge. Eh, aussi la petite Colonge. Stéphane, est-ce qu'avec l'intervention de la petite Colonge, ça avait bougé un petit peu ? Malheureusement, non. Oh. Ah, mince. Non. Fais-moi la maline, la petite Colonge. Attendez, il faut quand même dire qu'on a vu ce monsieur au téléphone, le garagiste, il était OK pour un remboursement. Moi, je suis restée sur ce dossier lundi dernier. Et alors, il n'y a rien eu ou c'est simplement un oubli, à votre avis ? Quel est votre sentiment ? Non.
Le sentiment, c'est qu'il joue clairement avec nous. Il a envie d'en découdre avec avec l'équipe d'N6 parce que voilà, il vous a. RTL. Il vous a qualifié de nom d'oiseau. Ah si, dites-moi, alors, j'ai une petite collection de noms d'oiseaux que je voudrais que l'on lise justement à mon enterrement. Allez-y, il m'a qualifié de quoi exactement? Non, en fait... Dites-le vraiment. Rien à foutre de M6 et de Julien Courbet. Ah bon, wow, ça c'est rien du tout. Bon, écoutez, mais il a raison de ne rien avoir à foutre d'RTL et d'M6. Il y a juste que, malheureusement, il y a un petit souci avec cette voiture. Hein. Rappelons quand même dans les grandes lignes quels étaient les soucis, Céline. Ah bah, elle est économiquement irréparable, c'est-à-dire qu'il y a une expertise qui a eu lieu en novembre dernier. Mmh. En fait, on ne peut pas rouler avec cette voiture. Ça coûterait plus cher de la faire réparer que de se faire rembourser. Et ce monsieur, bon, il ne nous aime peut-être pas parce qu'en fait, il est déjà passé à l'antenne. Oui, alors statistiquement, c'est vrai que quand tu t'appelles Reims Auto, que tu passes deux fois, oui. C'est que il y a bon, ça déjà et deuxième réglé, fois il avait réglé le premier, mais qu'on lui avait demandé quelle était l'origine de cette voiture puisque lui-même l'avait revendue. Il l'avait dit ah non, mais c'est une de mes collaboratrices qui le sait, moi je ne le sais pas et elle est à l'étranger. On lui a dit ben envoyez-lui un petit texto et demandez-lui où est-ce qu'on a acheté nous Reims Auto cette voiture. Et là je crois que nous n'avons pas eu de nouvelles. Bon, on va essayer donc de rappeler parce qu'il faut que monsieur nous explique ce qui va se passer. Après effectivement la justice pourra s'en emparer. Règle d'or, maître Novakovic. La règle d'or. Excusez-nous, Xavier Kassovitz, le réalisateur, était aux toilettes. Ce rapport d'expertise, il peut très bien saisir le tribunal et demander le remboursement. Bon, on a essayé une médiation, on espérait un accord. Maintenant, tant pis, que je vous dise, qui l'attaque? Ouais. C'est quand même une émission très bizarre que vous faites, maître Novakovic. Là, je ne vous cache pas que vous mettez tout le monde un peu mal à l'aise. Oh. Parce qu'on ne sait pas si il se passe quelque chose d'imprévisible. Mais du tout, j'ai un jingle, vous rigolez. Mais non, quoi. Mais c'est pas grave. Ah, mais tiens, j'entends la chasse d'eau, Xavier Kassovitz. Voilà, à terminer. On va pouvoir mettre le jingle. Bon, allez, on avance, on téléphone et on essaie d'avoir du nouveau pour notre ami agriculteur avec Reims Auto. Ne bougez pas, là, ça va se passer, bien sûr, dans les secondes qui viennent. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. C'est fou, ça, parce que je ne comprends pas le traitement du client comme celui-ci. Rappelez-nous, cette voiture, en plus, vous l'aviez achetée combien, s'il vous plaît, votre épouse l'avait achetée combien, Stéphane? C'est pas Stéphane? Si, c'est ça. C'est Stéphane. Vous êtes là, Stéphane? Oui, j'écoute. Oui, pardon. Vous avez acheté cette voiture combien? 4300. Voilà, et rappelez que tout, si je me rappelais, tout s'était mis à clignoter, c'est ça? Oui, tout s'est mis à clignoter, et puis on n'a toujours pas la carte grise. Et voilà, donc ce monsieur de Reims Auto, il peut le dire, j'en ai rien à foutre d'M6, de Julien Courbet, il peut même m'insulter, il peut dire tout ce qu'il veut, mais qu'il donne la carte grise, qu'il explique ce qui se passe avec cette voiture, qu'il lui dise, le client a le droit de savoir d'où elle vient, et il ne veut pas le dire. Et c'est là où on se dit, ça sent pas bon, on veut juste arranger les choses, on n'est pas là. Je ne me lève pas le matin en me disant, tiens, je vais embêter Reims Auto, j'ai autre chose à faire. Et surtout que quand vous n'avez pas de carte grise, eh bien, vous aurez d'office une annulation de la vente par le tribunal. Ça va de soi. Pas de carte grise, c'est pas effectivement, vous pouvez pas considérer que le véhicule est à vous. Donc vous devez demander l'annulation de la vente. On va remettre un de ces quatre, hein, le petit extrait là, de l'émission Arnaque sur la façon dont certains garages, on l'a identifié, on va vous le remettre dès qu'on aura un petit peu de temps, ou comment les garages achètent les voitures. Alors pas les grands garages, hein, les d'autres garages, aux enchères, vous l'achetez sans poser de questions, il n'y a même pas de carnet d'entretien, et après il y a ceux qui les remettent en circulation et ceux qui disent je ne peux pas remettre ça en circulation, évidemment je la vends en pièces détachées. Bon, essayez d'appeler, les gars, alors c'est plus Céline qui s'en occupe puisque maintenant elle est là. Je ne sais pas qui va hériter de la patate chaude. Normalement, c'est vous, Hervé Pouchol, spécialiste voiture. Mais il faut vraiment qu'il se passe quelque chose avec ce monsieur de Reims Auto. Il a le droit de nous insulter. Au contraire, on est là pour prendre les coups. Mais il règle le problème de cet agriculteur qui en a besoin. Julien Courbet. RTL. En voilà un qui ne passera pas les vacances avec moi dans votre hôtel, madame. C'est ce concessionnaire auto que j'essaie d'appeler gentiment en lui disant « Monsieur, cet agriculteur a acheté une voiture chez vous. Au bout de quelques kilomètres, elle s'est mise à clignoter de tous les côtés. Il voudrait bien savoir ce qui se passe. Il n'a toujours pas la carte grise. Il n'arrive pas à connaître l'origine. Il est en ligne. » Allô ? Oui, bonjour. Oui, bon... Ne quittez pas. Monsieur Eraimi ? Non, c'est pas monsieur Eraimi, c'est monsieur Nedjam. Ah, monsieur Nedjam, bonjour. Julien Courbet à l'appareil. C'est l'émission Ça peut vous arriver sur RTL et M6. Je me permets de vous embêter un petit peu parce qu'apparemment, il n'y a pas de nouvelles pour notre ami Stéphane pour sa voiture et il n'a toujours pas la carte grise, elle ne marche pas, il ne connaît pas l'origine et on voulait juste gentiment savoir où en était le dossier. C'est quel nom, s'il vous plaît, monsieur? Alors, c'est Stéphane, la voiture est au nom de Stéphane Simon. Qui avez-vous eu, vous, Stéphane, hors antenne? J'ai eu monsieur Inerdjian, j'ai eu monsieur Eraigny. En fait, c'est ma femme, c'est peut-être ma femme qui a traité. Enfin, voilà, à chaque fois. Alors, elle est à quel nom la voiture? Parce que lui, il a besoin de retrouver.
Simon Angélique. D'accord, mais lequel vous a dit « j'en ai rien à foutre de l'émission, etc. » A priori, c'est M. Inertiam. Bon, alors, monsieur, juste, bon, soyez sympa, essayons de régler ce problème, parce que, surtout que ce monsieur devait me rappeler celui de Reims-Auto que j'ai eu la dernière fois, pour nous donner l'origine de la voiture, il nous a dit « ah, j'en sais rien, faut que je demande à ma collaboratrice qui est à l'étranger. » C'est moi-même, M. Courbet, pour la question de l'origine du véhicule, de la provenance, c'est très simple, vous demanderez-vous à Coca-Cola la recette de la boisson? Est-ce que je demanderais à Coca-Cola l'origine de la boisson? Mais elle n'est pas d'occasion, le Coca qu'on me vend. Ben voilà, non, justement, c'est mes fournisseurs. Donc je... Waouh. Le téléphone est tombé dans les toilettes. Le Coca-Cola a débordé. C'est R2D2, voilà, il se le jette. Tiens. Bon, écoutez, vous récupérez l'appel et je pense qu'il vaut mieux que vous récupériez pour que le climat s'apaise un peu. Alors, maintenant, prenons quelques secondes pour essayer de comprendre cette métaphore sur le Coca-Cola. J'ai là un monsieur agriculteur qui a acheté une voiture d'occasion et il a envie de connaître un peu son passé, ce qui me semble normal. Est-ce qu'elle vient de l'étranger? Combien de mains? Etc. Mais je vois pas trop le rapport avec le Coca, mais peu importe. Bon, monsieur, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est savoir, un, s'il va avoir sa carte grise et deux, que la voiture... Il est revenu, monsieur. Merci. Alors, la voiture ne roule pas, il n'a pas la carte grise. Que fait Reims Auto, s'il vous plaît, monsieur? Bah écoutez, M. Courbet, on va dire la même chose qu'on a fait la semaine dernière et on se répète encore une deuxième fois. On a déjà négocié avec le client, donc on a envoyé un mail, on s'est mis d'accord, nous on attend encore un retour au client. Donc, alors il est là, le client, vous êtes mis d'accord sur quoi? Pour récupérer le véhicule et une proposition d'achat. Oui. Mais il ne roule pas le véhicule, comment il vous l'emmène? Bah, Monsieur Courbet, à chaque fois on revient sur les mêmes termes. On a une dépanneuse, nous sommes une grosse société, on peut récupérer le véhicule. Mais à chaque fois, Monsieur Courbet, on a lancé les démarches, on a envoyé un mail, il n'y a pas de retour. On se retrouve en... Alors, il est là. Là, je suis là pour régler le problème et je vais l'engueuler. Dites-moi, Stéphane, il paraît qu'ils veulent venir chercher le véhicule pour le réparer que vous ne voulez pas. Non, c'est faux. Je demande à ce qu'ils viennent et ils ne viennent pas. Il m'a promis que ce serait réglé, il y aurait un virement de fait... avant samedi. Il était question de remboursement, monsieur, même pas de venir chercher la voiture. Vous venez la récupérer, vous le remboursez, il se passe rien du tout. Là, si on reçoit encore des captures d'écran de mail, comme des SMS, là. Eh ben, envoyez-les-moi. On recommence encore. Là, en fin de compte, c'est une question de bonne foi et de mauvaise foi, encore une fois. Mais bon, c'est pas grave, monsieur Courbet. Écoutez-moi, monsieur, voilà ce que je vous propose. Et je dirais que Stéphane Simon, qui est en ligne avec moi, l'agriculteur, est un escroc. Je le dirai sur l'antenne si ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes d'accord pour le rembourser, comme vous lui avez dit, monsieur de Reims Auto? J'ai parlé avec Madame Simon Angélique. On s'est basé sur un prix. Monsieur, dites-moi quand vous voulez faites le remboursement. Et comme ça, si vous l'avez fait, qu'il dit je l'ai pas eu, on dira que ce monsieur est un menteur. Quand est-ce que vous pouvez faire le remboursement? Écoutez, Monsieur Courbet, on s'est mis d'accord sur un prix. Donc là, je comprends pas. Je vous parle pas du prix. Je vous parle de la date. Pourquoi vous vous êtes mis d'accord? C'est bien. Quand est-ce que vous lui faites le virement, monsieur? Ben on peut le faire aujourd'hui même. Voilà, alors, vous faites le virement aujourd'hui. La voiture est à disposition, vous allez la chercher quand vous voulez. Si vous faites le virement aujourd'hui, ça veut dire que jeudi, il est sur son compte en banque. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a pas de souci. Alors, jeudi, Stéphane, vous m'appelez, puisque le virement va avoir lieu aujourd'hui. Vous aurez l'argent sur votre compte. La voiture doit être à la disposition pour qu'ils viennent la chercher quand ils le veulent, et on verra bien ce qui se passe. Oui, Céline? J'aimerais juste qu'on parle du montant, parce que vous dites que vous êtes mis d'accord sur un montant de remboursement, est-ce qu'on parle bien de 4 300 €, le prix d'achat du véhicule? Merci, non. Céline. Pas du tout. Non, justement. Alors, justement, Stéphane, il vous a proposé combien? On a payé 4 300. Non, Stéphane, c'est pas ma question. Je vous demande, il vous a proposé combien, Stéphane, s'il vous plaît? 3 700. Au lieu de 4 300. Moi, je vais vous dire, Stéphane, là, je vais être très clair avec vous, un mauvais arrangement, c'est mieux qu'un procès. Il vous fait une proposition, je serai vous, je l'accepterai. Parce que s'il ne se passe rien, de toute façon, ça n'avancera pas. Dans cette émission, on est là pour faire un petit pas, vous allez perdre un peu, mais vous allez quand même vous retrouver avec un remboursement. Réfléchissez, Stéphane, vraiment. Maintenant, si vous voulez l'intégralité, vous allez au tribunal. Vous prenez un avocat, 6 mois, vous gagnerez, mais vous allez perdre énormément de temps. Effectivement. Voilà, donc acceptez à ce prix-là et on n'en parle plus. Est-ce que vous êtes d'accord, Stéphane?
Oui. Allez, il accepte. Donc vous faites le virement tout de suite, monsieur. Vous allez chercher la voiture quand vous voulez et on a un deal. Ça vous va, monsieur Drinsotto ? Ça me va, monsieur Courbet. Eh ben, vous voyez, en discutant, récupérez la PL, Hervé. Oh, ben, bravo, vous feriez un beau négociateur. J'en ai marre. Je suis trop vieux pour ces bêtises. Merci beaucoup, mais non, mais voilà, on discute et on n'en parle plus. Allez, nous avons un deal et c'est très bien. Mais attention, quand on vient dans cette émission, c'est qu'on est prêt à faire un petit effort. Ça, je le dis à chaque fois. Et comme ça, on règle tous les problèmes. Alléluia. Ça peut vous arriver. Alors, mesdames et messieurs, je vous explique maintenant la différence entre acheter une voiture quand vous entrez dans une grande concession où c'est plus cher. Je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup plus cher. Et vous avez des gens qui vendent des voitures, souvent même en appartement, ils n'ont même pas de locaux. Ils achètent des lots. Voilà, c'est un extrait d'une émission Arnaque que j'avais fait qui vous explique comment ça se passe. Regardez bien. Alors, en fait, ce sont des garagistes qui ont acheté sur un site aux enchères. Quand vous êtes garagiste, vous avez un numéro, vous allez sur un site d'enchères qui est en Allemagne. Là, on présente des voitures. Vous ne pouvez poser aucune question sur la voiture. Elle est juste en photo, il n'y a même pas de carnet d'entretien, et elle est à tout petit prix. Donc cette voiture, elle devait être, si ça se trouve, à 500, 600, 800 euros. Vous l'achetez, et elle arrive. Et là, quand elle arrive, vous avez vu, elle a de la gueule, la voiture. Vous avez vu dessous. Alors lui, il est honnête. Il l'a mis sur un pont, il a dit ça, je ne peux pas la vendre. Donc il va la vendre en pièces détachées. Mais il y en a d'autres qui vont la mettre en circulation parce que vous n'allez pas dessous. Il y a des gens qui ne vont pas sous la voiture. Donc ils voient cette voiture. Elle est super. Ils l'achètent. Et du coup, vous qui avez un tout petit budget, lui, il a acheté 800. S'il veut se faire 1000 de gratte, il la vend 1800. Vous vous retrouvez avec quand même une voiture sympa pour 1800 euros. Sauf que vous partez. Alors après, je ne vous parle même pas des risques. Et vous, elle tombe en panne et c'est fini. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention, mesdames et messieurs. Une autre démonstration en images pour vous, M6, avec notre Olivier Dauvert. On se bat aujourd'hui pour dire, si on veut aider les agriculteurs français, on a beau prendre le problème par tous les sens, il faut acheter français. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Démonstration, Olivier. Alors, je vais vous raconter ce que j'ai vécu il y a quelques jours dans un supermarché. Vous voyez, j'arrive devant cette tête de gondole où il y a du magret en promotion à un prix objectivement très compétitif, moins de 20 euros, c'est très rare de le voir. En tout petit, je vois marqué ici « Origine UE ». Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? La France est dans l'UE, il est peut-être français néanmoins. Donc, je prends le magret, c'est la photo suivante, je le prends dans la main et qu'est-ce que je vois quand je me concentre sur l'étiquette ? D'abord que la société qui le vend, elle est dans le Gers. Alors, moi qui suis gersois, à amoureux du gras, évidemment, ça rassure plutôt que ça soit vendu par une société gersoise. Mais quand je continue à regarder, voyez, en tout petit, que vois-je ? Que le foie gras, que le magret, pardon, vient de Bulgarie. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est que c'est le consommateur ne sait pas ce qu'il achète, il voit un super prix. Ça veut dire surtout que quand je regarde l'étiquette, je regarde de haut en bas. Exactement. Et je tombe là-dessus. Oh, France, c'est bon, c'est du français. Et voilà pourquoi ça ne peut plus durer, parce qu'on trompe les consommateurs. C'est une arnaque à l'origine. Même si c'est légal, on peut qualifier ça d'arnaque, parce qu'on ne dit pas la vérité, on ne permet pas aux consommateurs d'aider l'agriculteur. Alors que faudrait-il faire ? C'est la photo suivante que je vous propose, et je milite pour ça, pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Ça veut dire qu'il faudrait passer de cette étiquette à celle-ci, ou de manière très visible, je dis aux consommateurs, ok, le prix il est pas cher, mais c'est du bulgare. Et en creux, qu'est-ce que ça dit ? Ben que celui qui n'a pas de moyens, qui veut quand même acheter pas cher, il le fera, mais en toute connaissance de cause. Et celui qui aurait pu ou qui aurait voulu acheter quelque chose de français, eh bien ça va lui donner une raison de non-achat. Et donc d'aller voir sur le produit d'à côté. Ça s'appelle balance ton origine, ça s'appelle juste de l'honnêteté, de la transparence. Et voyez, c'est quand même pas ça, c'est du concret à faire. Tous les magasins pourraient le faire. Et donc, marquer en réalité l'origine précise, c'est de la transparence. Et ne marquer la France que quand c'est français, c'est de l'hypocrisie. Est-ce que le ministre de l'Agriculture et le Premier ministre oseront prendre ce genre de décision ? Parce que ça aiderait vraiment les agriculteurs. Encore une fois, déjà, magret dans l'inconscient, c'est forcément dans le sud-ouest. Vous arrivez sur l'étiquette, vous voyez « Entreprise de Hoche ». Effectivement, vous n'allez pas toutes les lire, mais la dernière ligne a marqué « Origine bulgare ». Alors, on a des bêtes chez nous, on va chercher celle de Bulgarie. Je ne veux même pas parler des conditions de transport, mais ça peu importe, mais c'est complètement aberrant. Et ça, vous croyez qu'on va y arriver ou pas ? Précision quand même, les canards ne sont pas abattus en France et transportés vivants, ils sont abattus évidemment en Bulgarie. Ah oui. Voilà, non mais quand même. Mais ça n'empêche que ce produit-là, il n'a pas la même valeur sociale qu'un produit qui serait fait dans le Gers ou dans le Sud-Ouest. Mais on pourrait produire assez de canards si on le voulait ? Ben, si le consommateur achète plus de magret, on va en produire plus. Vous savez, tout ça s'équilibre dans le temps. Si on, par nos achats,
on achète davantage français, eh ben, il y aura plus d'agriculteurs. Je vous rappelle quand même qu'on perd des agriculteurs quasiment tous les jours parce qu'il n'y a pas assez de jeunes qui s'installent. Pourquoi ne s'installent-ils pas? Parce que le métier n'est pas attractif, notamment financièrement. En tout cas, sur M6, chaque jour, à chaque fois qu'il le pourra, en tout cas, Olivier Dauvert vous donnera une démonstration. Aujourd'hui, c'était le magret de canard sur d'autres produits que vous puissiez, en connaissance de cause, vous dire, bah, tiens, moi, j'ai décidé d'acheter français. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous faites ce que vous voulez de toute façon. Mais au moins, vous saurez ce qui est français et ce qui ne l'est pas. Merci Olivier, merci beaucoup. Julien Courbet sur RTL. N'oubliez pas tout à l'heure, dernière heure, le journal des arnaques dans votre région avec des coups de fil pour aider ceux qui en ont besoin. Là, nous sommes sur le cas d'Océane, très joli prénom, qui est avec nous. Bonjour Océane. Bonjour. Océane, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle du Petit Robinson. Oh, cette table, elle est arrivée dans un état. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement, Céline ? Bah, la catastrophe. Océane avait contacté une entreprise sur Internet pour acheter une table basse. Elle l'a payée plus de 400 euros. La table est arrivée en mauvais état. Ça fait depuis plus de 6 mois qu'elle attend le remboursement. Elle était bien amochée, hein, Océane. Hein, enfin, la table, pas vous. Hein. Vous étiez parfaite, je me rappelle très très bien. Donc, c'était Hervé Pouchol qui s'en était occupé. C'était une grosse semaine, il faut le dire, pour Hervé Pouchol. Il a dormi tout le week-end. Il faut dire les choses comme elles sont. On lui a un peu tiré sur l'élastique tout au long de la semaine dernière. Hervé, vous vous rappelez de cette histoire ? Oui, je m'en souviens très bien, parce que je suis en ligne avec la plateforme, parce que j'avais essayé de joindre le grand patron, et là, il y a une plateforme qui s'occupe du service client. Très bien. Ça, c'est une nouveauté. D'accord. Je peux vous passer le monsieur qui est en ligne. C'est parti, nous sommes... Allô, bonjour. Ça va ? Alors, oui, bonjour. Je me présente, monsieur, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur RTL et simultané M6. J'ai essayé d'aider une dame qui galère un peu. Elle a acheté une table, la table est arrivée cassée et aujourd'hui il se passe rien. Elle est repartie, la table, ou pas? Oui, elle a été renvoyée, tout à fait. Elle a été renvoyée, elle ne sait plus comment se sortir de ce problème. Est-ce que vous pouvez m'aider si on vous donne des coordonnées, monsieur? Bien sûr, dites-moi. Ah oui, les coordonnées, oui, il a raison, mais il faut lui donner. Bon, alors on lui donne tout ça. Alors tiens, on va aller sur, qu'est-ce qu'il vous faut? Les références de la table, qu'est-ce que j'ai? Soit le nom de la... J'ai un reçu de commande, un numéro de reçu. Ça peut vous aider, ça? Je peux avoir le nom de la cliente, s'il vous plaît? Bah, évidemment, elle s'appelle Océane Alonso. D'accord, je regarde. Voilà, et elle a acheté chez Suite Déco. Vous vous occupez de Suite Déco, vous? C'est ça, oui. Bon, alors, vous récupérez l'appel, bien joué, Hervé. Voilà, on avance, Océane Alonso. C'est espagnol, okay. Alonso? Oui, tout à fait. Ah, de quelle région d'Espagne, Alonso? Je vous avoue que je ne sais pas. Mais il faut demander dans ces cas-là, quand on a la chance, dites donc, d'être espagnol comme ça. Qu'est-ce qu'elle a à dire, la colonne? Ah, nada. La colonne, je trouve ça dommagé que de ne pas savoir d'où on vient quand même. C'est trop dommage. Le dommagé, t'es un peu. Je suis pas. T'as pris un gros risque, là. On ne dit pas dommagé. Bon, en tout cas, ça avance, ça c'est bien. Océane, je vous donne du nouveau dans quelques instants. J'attends de voir si Hervé peut. Qu'est-ce que ça donne, Laura, là-bas, Hervé? Vous sentez que ça progresse? Je suis en discussion avec monsieur. Ah, mais très bien. Stan, de votre côté. Voilà. Si je peux me permettre, Julien, c'est quand même la troisième fois qu'on appelle ce site pour Océane, Suite Déco. À chaque fois, on appelle, on tombe sur ce service client. À chaque fois, Hervé me l'a dit, on me dit, je vais être appelé par la direction, je vais être appelé par la direction. Il ne se passe rien, ce n'est pas normal, c'est un petit problème. Julien, on parle d'une table à 448 euros. Ce n'est pas énorme, normalement. Un problème comme ça avec d'autres enseignes, ça se règle en deux jours. Donc là, Julien, c'est un petit coup de gueule. Je trouve qu'avec Suite Déco, on les a pas souvent. On teste ce matin. J'espère vraiment que ça va avancer du côté d'Hervé Pouchol parce que ça fait promesse. Il faudrait pas qu'on ait besoin de rappeler une quatrième fois. Je rappelle que ça, si vous ne le savez pas, avant d'arriver dans notre équipe, Stan travaillait à la chaîne L'Équipe. C'est pour ça qu'il le parle comme ça. C'est la quatrième fois que nous appelons ce site et je dois dire que l'on en a ras-le-bol. Oh là 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 là, que d'émotion. Et il a bien raison, mais c'est normal. Il faut un petit peu de temps pour qu'il change de ton. Il a encore le ton sportif. Bon alors, on essaie d'avoir Suite Déco, Hotman, Ben Yaya, c'est son nom, je crois. Qu'est-ce que ça donne, Hervé, avec Suite Déco? Hervé, vous me faites un petit signe? Alors, écoutez, je peux vous faire un petit signe, mais ça ne servira à rien, car je suis toujours en discussion avec le monsieur. On avance, mais là, on a plusieurs questions à se poser. C'est-à-dire que je peux vous le repasser, si vous le souhaitez. Je ne pense pas, non. Regardez-le. C'est le lundi, c'est les artistes, c'est la journée de relâche, vous savez. Donc je vous laisse. Je le reprends, alors. Merci beaucoup. Non, parce que ça n'avancera pas beaucoup. Oui, alors j'espère vraiment que nos amis de Suite Déco vont régler ce problème, parce que là on commence à être un petit peu inquiet sur le service après-vente. Donc nous leur chantons vraiment, mais avec beaucoup d'amitié. Suite, suite,
en suite déco. Oh oh, réponds-nous vite. Sweet, sweet. En suite déco. Oh oh, réponds-nous vite. La table est arrivée toute cassée à la maison. Quand ma mari l'a vu ça, il m'a pris pour un. Enfin bref, voilà. Alors on y va. Suite déco. C'est à Montreuil où j'ai pris une belle raclée lors d'un tournoi de tennis ce week-end contre un gamin de 25 ans qui n'a eu aucune pitié de mon âge. J'ai même dû lui parler à un moment donné entre deux jeux en lui disant tu vas te calmer. Je ne peux pas repartir ridicule à ce point. Donc laisse-moi faire un jeu et si t'as une arnaque un jour, je t'aiderai. Et il en a convenu et on a trouvé cet accord. Bon, nous avançons sur ces dossiers. N'oubliez pas le journal des arnaques et surtout n'oubliez pas que nous allons accueillir un petit peu plus tard Marie-Cécile, vous êtes spécialiste du divorce et là il y a vraiment des choses à changer en France. Quand on tombe amoureuse ou amoureux, on ne pose pas des tas de questions. On ne sait pas que son mari a fait ou sa femme de la prison avant de se marier. Et puis la vie est là et puis on ne contrôle pas tous les comptes. Et puis un jour on s'aperçoit qu'il a dilapidé l'argent, mais que tout est à votre nom ou presque. Et l'administration fiscale malheureusement ne fait pas de sentiment. Là en l'occurrence, il n'y a eu aucun enrichissement de cette femme. Elle n'y est pour rien. Et ben, c'est à elle qu'on vient réclamer l'argent, elle n'a plus que 500 euros par mois parce qu'il y a 2 millions de dettes. La fille a été virée de l'appartement. C'est un truc de dingue et il faut vraiment maintenant désolidariser femmes et hommes dans le mariage quand il y en a un des deux qui fait des bêtises. C'est un très très gros dossier. J'ai promis à cette dame qui est passée dans l'émission Arnaque vendredi soir qu'on l'aiderait, qu'on ne laisserait pas tomber. On va interpeller toutes les personnes qu'il faut interpeller et puis bien sûr tous les autres cas. Ça peut vous arriver toujours à votre disposition sur RTL M6. À tout de suite. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, reviens dans un instant. Attention mesdames et messieurs, nous jouons maintenant au lequel des deux, pendant que les appels continuent, celle des appels, et nous avons d'autres cas à traiter. Mais là, on y va, à vous de choisir, vous êtes quatre à jouer, lequel des deux, la question va vous être posée par Olivier, nous démarrons avec vous mon cher Didier. Première fois que vous venez à la radio, à la télé, que vous êtes maquillé, que vous jouez à un jeu en plus maintenant. Voici votre question, Olivier. J'ai deux fromages dans la main, j'ai d'un côté un Roquefort. Voilà, et j'ai ensuite un fromage de chèvre, une petite pyramide de chèvre. Et ma question est, entre le fromage de chèvre et le Roquefort, qui est un fromage de brebis, lequel des deux est le plus gras ? Réflexion. Je dirais le Roquefort. Et la réponse était... C'est effectivement le Roquefort, c'est une bonne réponse, parce que le lait de brebis à la base est naturellement beaucoup plus gras que le lait de chèvre, presque deux fois plus gras, 7 grammes par litre pour le lait de brebis, 4 grammes pour le lait de chèvre. Voilà pourquoi, s'il faut choisir sur le gras, mieux vaut le chèvre que la brebis. Ah bah bravo Didier, on continue avec Valérie. Vous savez, vous n'avez pas encore gagné, excusez-moi, vous n'êtes pas le seul. Valérie, c'est parti, voici votre question. Allez. N'y voyez aucun message, j'ai deux déboucheurs dans la main, vous savez, pour enlever les cheveux dans la douche, par exemple. Donc, une marque qui s'appelle Desktop, c'est un gel express, et de l'autre, une marque qui s'appelle W5, ultra puissant. Et ma question est, lequel des deux est le plus cher, d'après vous ? La grande marque connue ou l'autre ? Bah, je dirais l'autre. C'est-à-dire W5. W5. La réponse ? Eh bien non, W5, c'est en fait la marque de distributeur de Lidl, qui est très peu connue, alors que Desktop est la grande marque. Et pour ceux qui ne voient pas les deux packs que je suis en train de présenter, ils se ressemblent quand même beaucoup. Mais c'est ils les sont mêmes. Tous les deux violets. Et ça illustre encore une fois ce que je vous raconte souvent, c'est que les marques de distributeurs cherchent à copier au maximum les grandes marques. Et voyez ici, ça se matérialise par la couleur du bidon. C'est exactement le même violet. Les deux marques n'ont rien à voir. Non, il y en a une qui appartient à Lidl, ouais. Et l'autre, c'est la grande marque. C'est exactement le même contenant. C'est le même... Le même emballage, avec c'est incroyable. Avec deux fois plus cher pour l'un que pour l'autre. Elle a bien répondu ou mal, du coup ? Et non, elle a mal répondu, donc elle est déjà éliminée. Ah, eh bien, on lui dit au revoir. Et nous attaquons maintenant une troisième question, et c'est avec vous, Laurent. C'est parti, voici la question. Dans quelques jours, Laurent, c'est la Chandeleur, donc on commence avec elle. Lequel de deux spécial Chandeleur ? De la pâte à tartiner au chocolat, j'ai d'un côté du Nutella, de l'autre, j'ai du Lucien Georgelin, une petite PME du Sud-Ouest. Ma question est, dans lequel des deux, d'après vous, il y a le plus de noisettes ? Je vais faire confiance à M. Georgelin du Lot-et-Garonne. Alors attention, la réponse... Et vous avez raison, puisqu'il y a 16% de noisettes dans la pâte à tartiner Lucien Georgelin, et il y en a 13% dans le Nutella.
Petit truc, quand vous achetez des pâtes à tartiner, premier prix ou marque de distributeur, regardez le taux de noisette parce que des fois ça descend jusqu'à 2% seulement et ça n'a pas du tout le même goût. C'est quand même le goût. Ce qui donne ce petit goût, c'est la noisette. Bon, eh bien ça se passe plutôt pas mal. Laurent a gagné, Didier a gagné. Eh bien c'est à vous, Alexandra. Attention, vous êtes la dernière. Voici votre question, Alexandra. Alexandra, j'ai 1 kg de riz dans une main, 1 kg de pâte dans l'autre. Ce sont dans les deux cas des marques de distributeurs, donc très comparables en termes de qualité. Et ma question est, entre 1 kg de riz et 1 kg de pâte, lequel de ces 2 kg est le moins cher ? Le kilo de riz marque distributeur ou le kilo de pâte marque distributeur ? Le kilo de pâte. Le kilo de pâte, dit-elle. Et la réponse était... Et elle a raison, parce que les pâtes, c'est moins cher que le riz à poids comparable, tout simplement parce qu'à la base, le riz est une céréale qui est déjà plus chère que le blé. En gros, une tonne de riz, ça vaut 500 $, une tonne de blé, ça vaut à peu près 250 $. Donc la réponse, elle est effectivement le riz qui est le plus cher ou les pâtes qui sont les moins chères. Ne me regardez pas en cherchant qui est la réponse, c'est vous qui faites le jeu, hein, je vous rappelle. Mais je suis sûr de ma réponse. Bon, alors, vous imaginez tout de suite la météo d'Evelyne Delia. Evelyne Delia se tourne vers... Pourquoi tu me demandes ça ? Mais parce que t'es payé pour faire la météo. Bon. Et donc vous voulez, j'imagine, une question pour les départager ? Alors attention, la réponse à Alexandra, Laurent, Didier, forcément un chiffre, un nombre pour vous départager. Voici la question. Et on reste sur le sujet des pâtes. Pour avoir 300 grammes de pâtes dans votre assiette, combien faut-il en mettre dans la casserole ? Votre réponse, s'il vous plaît, Didier. Le double, je dirais 600. Donc, il dit 600, Didier. Vous dites combien, s'il vous plaît, Laurent ? 80 grammes. 80. Et vous dites combien, Alexandra ? 120. 120. Et la bonne réponse était... Eh bien, plutôt entre 80 et 100 grammes. Donc, c'est vous, Laurent, qui avez la bonne réponse. Merci. Malheureux Didier, évidemment, qu'il ne faut pas mettre 600 grammes de pâte crue. C'est ma gourmandise. Se gonfler à la cuisson. Un container de pâte. 300 grammes de pâte cuite. Eh bien, non, bien sûr. C'est dans l'autre sens que ça marche, Didier Voyon. Voilà. Eh bien, bravo, mon Laurent. Merci. On va vous envoyer une montre RTL. Merci voilà. beaucoup. Enfin, vous attendez de la voir avant de me remercier. Ne la mettez pas les jours de rendez-vous très importants. Je ne suis pas certain encore à 100%. Mais vous allez voir, ça vous fait un souvenir en tout cas. Et bravo à tous les autres. Bon, voilà, on a appris des tas de choses. Vous avez bien compris que ce petit jeu que nous organisons vous permet d'apprendre pour mieux consommer votre pouvoir d'achat. Certes, lutter contre les arnaques, ce que l'on fait, vous aider, ça vous fait faire des économies parce qu'on vous permet de vous faire rembourser. Mais vous avez, grâce à Olivier, une autre façon, c'est dépenser moins. Un petit point rapide. Nous revenons donc, si vous le voulez bien, sur l'histoire de Sweet Déco. Vous nous rappelez, s'il vous plaît, les tenants et les aboutissants. Céline. Oui, Sweet Déco, c'est cette histoire de table basse qui a été commandée, payée plus de 400 €. Elle est arrivée abîmée. Elle a été renvoyée et depuis, pas de remboursement. Alors, mon Hervé, vous avez eu cette plateforme. Où en est-on ? Ça a l'air compliqué quand même. Oui, c'est compliqué, mais enfin, ce monsieur a été compréhensif. Il est très important que Sweet Déco envoie un bon de retour à Océane. Une fois que ce bon de retour sera arrivé, ils vont pouvoir renvoyer la table et elle sera remboursée immédiatement. Bon. C'est ce que me dit ce Alors, monsieur. Alors, est-ce que ça a déjà été fait, ça, Océane ? Alors, la table est toujours chez ma grand-mère. Océane, est-ce qu'il y a eu ce bon de retour qui a été envoyé ou pas ? Ah ben bah non. Bon, alors, c'est bon. Donc on s'en occupe, c'est parfait. Voilà. On va vous réexpliquer tout ça, mais là, on a mis un process en place qui devrait normalement aboutir, je l'espère. Très bien, merci. Bon, alors, elle envoie quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils prennent contact avec elle directement ? Oui, oui, ils vont prendre contact avec elle et elle va recevoir, ou sa grand-mère va recevoir un bon de retour. Allez, ça marche. Voilà, Océane va être remboursé. Les Alonso vont pouvoir fêter. Buenos días, Alonso. Normalement, c'est réglé. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, nous allons revenir maintenant quand même sur le garage de Stéphane, la voiture de Stéphane, notre agriculteur. Céline, en deux mots, rapidement, s'il vous plaît. Une voiture achetée sur le bon coin. Une voiture. Bon, elle ne roule pas dans tous les cas, donc c'est pour ça que c'est une voiture. À 4 300 €, donc elle ne roule pas. Et malheureusement, le garage tarde à rembourser ses 4 300. Hervé, vous avez continué de négocier avec nos amis de Reims-Auto, que l'on n'est pas là pour embêter. On veut juste leur dire, ils ont besoin de cette voiture, ils l'ont achetée, ils n'ont pas la carte grise, elle ne marche pas, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Et vous voyez, j'ai convaincu, moi, le téléspectateur de baisser un peu le prix, de ne pas avoir, pour que tout le monde y trouve un accord, que tout le monde soit heureux. Hervé ? La somme, c'était 3 700 €.
il a effectué le virement. Je voulais une preuve, je viens de la recevoir. C'est super. Et il m'a demandé de préciser que c'était une entreprise sérieuse. Mais je le dis. En tout cas, vous avez tenu parole, monsieur. Mais déjà, on a précisé à chaque fois, et d'ailleurs Céline l'a dit, que lorsqu'ils sont passés la première fois dans l'émission, ils avaient réglé le problème. Ils le réglaient. Ce qui est juste dommage, c'est qu'à un moment donné, ils se disent pas, attends, on a vendu une voiture à quelqu'un, il y a tous les voyants qui s'allument, elle ne roule plus, on n'a pas la carte grise, essayons de faire quelque chose, qu'on soit obligé de passer par nous. Mais effectivement, contrairement à d'autres qui se cachent, qu'on retrouve jamais, qui disparaissent dans la nature, ils ont pignon sur rue chez Rinsauto et ils règlent les problèmes et c'est tant mieux. Après, là où je suis pas d'accord avec eux, c'est, moi je pense que Maître Nankovic, on a le droit de connaître l'origine d'une voiture d'occasion, on a le droit de savoir normal. Si c'est d'une 15e main, 2e main, si elle vient de l'étranger ou pas, c'est le béaba. Il fallait comprendre surtout la raison de l'expertise qui était quand même catastrophique, donc heureusement il indemnise et tant mieux. Et d'ailleurs je suivrai les conseils de ce monsieur pour ceux qui étaient là tout à l'heure, la prochaine fois que je commanderai un Coca-Cola dans un bar, je demanderai au barman, quelle est l'origine de ce Coca, et je veux avoir toute la traçabilité jusqu'à la recette secrète. Elle est toujours secrète? Absolument, depuis 1885. Il y en a bien qui la connaît. Ce qui se passe concrètement, c'est que l'entreprise Coca-Cola d'Atlanta aux États-Unis vend le concentré dans des grands bidons à des sociétés qui embouteillent ensuite dans les différents pays en rajoutant de l'eau gazeuse, et ça fait le Coca-Cola. Bon, parfait. En tout cas, on a un accord et ça c'est super, bravo à tout le monde, à notre agriculteur qui a su céder un petit peu, à ce professionnel qui fait un effort et à Hervé Pouchol qui a négocié. Julien Courbet sur RTL. C'est vraiment super pour Stéphane. Stéphane, hein, c'est notre agriculteur, vous le savez, là, qui a acheté cette voiture, ça se passait mal. Eh bien, je dis c'est super parce que ça correspond à ce que l'on veut que soit cette émission. Nous appelons nos amis de Rinsauto. On trouve un accord, bien qu'on ait une discussion, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais là, tout le monde a fait un effort. Notre ami agriculteur dit « Ok, on ne me rembourse pas l'intégralité, on me rembourse moins. J'accepte. » Rinsauto dit « Parfait, j'envoie immédiatement un virement, ils vont aller chercher la voiture. » Et tout le monde est content. Donc bravo Rinsauto. Voilà, vous avez réglé le problème de ce monsieur. Ça prouve que vous avez un vrai service client. Et bravo à vous, Hervé Pouchol. Hein, vous m'avez suffisamment dit « Il faut me remercier plus souvent l'antenne. » Eh bien, je le fais. Non, mais c'est vrai. Pour une fois que je fais un peu mon job de négociateur à votre place, parce que là, je vous ai trouvé pas mal. Vous le faites très bien. Stan, vous voulez que l'on aille sur quel dossier, s'il vous plaît ? Je voudrais bien qu'on revienne ensemble sur le cas de Sabrina. Très bien. Est-ce que vous voulez pas me le chanter comme le faisait Annie Cordy ? Je voudrais bien. Je dois avouer que là, vous surestimez mon âge. C'est vrai que c'est peut-être pas sa génération. Annie Cordy, je suis désolé, là, je n'ai pas la référence. Didier, lui, il a la référence. Vous vous rappelez de cette chanson ? Bien, mais je peux point. C'est point commode d'être à la mode. Allez-vous continuer, Valérie ? Quand on est bonne du curé. C'est point facile d'avoir du style. Quand on est une fille. Comme moi. Vous voyez, avec ces gens-là, on passe des bonnes soirées. Avec vous, Stan, on s'ennuie. Il faut dire les choses comme ça. On s'ennuie, oui, je vous fais. Je vous fais pas dire, ouais. Sabrina, bonjour. Bonjour, bonjour. Toujours dans la piscine ? Toujours dans ma piscine, ouais. Alors, Sabrina, qui se plaint d'infiltration, la pauvre Bernard s'en était occupée. Rappelons quand même ce qui se passe là-bas dans la Moselle. Alors, Sabrina est propriétaire d'un appartement qu'elle met en location. Et en fait, c'est sa locataire qui se retrouve avec des murs imbibés d'eau. Donc, ça cloque, ça commence à fissurer. Et le souci, c'est que l'agence immobilière qui est en charge de la gestion de l'appartement ne fait pas grand-chose pour aider Sabrina et la locataire. Alors, Bernard, vous vous en étiez occupé. Oui. Vous nous faites une petite synthèse de ce qui s'était passé pour aider notre amie Sabrina. Oui, on a un contact privilégié chez Foncia avec oui. M. Vesperini, qui à chaque fois nous trouve des solutions et appelle son acolyte dans la région. Et là, on a eu carrément le président de Foncia local, qui s'appelle M. Cordonnier, qui a dit « Je vais coordonner tout cela et trouver une solution. » Il s'appelle M. Cordonnier ? Cordonnier. Ah, Bergos, parce que je pensais que c'était M. Cordonnier qui avait coordonné. Alors, ça serait quand même bon. Alors, donc. Voilà, et donc, il m'a dit qu'il allait actionner la garantie dommage-ouvrage. On va demander donc à Sabrina si ça avance un tout petit peu. Sabrina, dites-nous un petit peu ce qui se passe avec vous. Oui, alors le 16 janvier, les experts, le syndic et la société en charge des eaux s'est déplacé, a constaté donc les différentes malfaçons au niveau de la toiture, d'où proviennent les fuites. Et donc là, la dommage ouvragée est lancée et les travaux seront faits dès que le beau temps le permettra. Évidemment. Et encore une fois, c'est ça les grandes marques. Parfois, il y a des couacs, mais quand on a des marques, ils sont certainement dans les numéros 1, Foncia. Alors Foncia, attention, vous savez que le plus gros du chiffre d'affaires est fait par les syndics, en fait. C'est pas tellement la vente et les transactions, c'est par les syndics, mais c'est un groupe énormissime. Et à chaque fois qu'on les appelle, eh bien, il y a un résultat. Et alors, merci à ce monsieur Vesperini. Faudra quand même à un moment ou à un autre, Bernard, je vous ferai faire une note de frais, je la négocierai, que vous offriez à
ce monsieur un repas chaud à midi, vous aurez le droit certainement à 10-15 euros pour lui faire plaisir. Sans boisson, les boissons sont incluses ou pas? Non, avec boisson, vous venez avec votre bouteille que vous planquez. Ça va être un petit peu juste. Comme d'habitude, nous le faisons, vous allez aux toilettes, vous lui remplissez son verre de vin et vous revenez avec. Oui, j'ai compris. Bon, merci beaucoup, merci. Et vous êtes contente, Sabrina? Ah bah oui, super contente. Et là, la frise sur le gâteau, sera quand tout sera fini. Mais vous me rappellerez à ce moment-là. Gros bisous à Fleury, Sabrina. Merci. Voilà, tous les matins, c'est avec beaucoup de plaisir que tout le monde veut vous aider. Rien à rajouter, la maître Nankovic, tout a été dit. Je suis très contente. Ben voilà, vous voyez, de temps en temps, je lui donne la parole. Elle nous dit, je suis très contente. Parce que les gens demandent souvent... Je suis contente. Vous savez, ils sont en train de regarder et d'écouter l'émission. Et souvent, j'entends des maris dire à leur femme, dis-moi, Ginette, comment qu'elle est la Nankovic en ce moment? Elle est très contente. Bon, tant mieux. Et voilà, ils vont retravailler. Et ils ont besoin de savoir ça, les gens. Bien sûr. Stan, tant que vous êtes avec nous dans l'émission pour quelques minutes encore, de quoi parle-t-on? Je voudrais qu'on revienne sur le cas de Didier, Julien, et je pense qu'il va falloir malheureusement sortir le porte-voix. Bon, alors Didier, ce qui est avec nous, 2000 euros pour des travaux qu'il attend depuis plus d'un an. Je vais donc sortir le porte-voix. Il faut que ce monsieur comprenne bien qu'on n'est pas là pour l'embêter, mais qu'on ne peut pas prendre de l'argent sans rien faire. Sinon, à un moment donné, on peut penser que c'est de l'abus de confiance. Ah bah, c'est la Direction Générale de Répression des Fraudes qui sera contente, effectivement, de faire une enquête là-dessus. Donc l'entreprise, c'est l'ADEN, A-D-N-E, l'ADEN que nous cherchons à joindre à Villepinte. L'ADEN à Villepinte, c'est Pierre Deguin. Pierre Deguin, D-E-G-U-I-N-E-S, Pierre Deguin, à Villepinte, 47 Allée des Impressionnistes. Alors, qu'est-ce que vous lui demandez en deux mots à ce monsieur? Soit il est capable d'installer sous un mois, puisque ça fait un an qu'on attend, soit il rembourse. Voilà, mais qu'il fasse attention, parce que les gens vont finir par croire que c'est une arnaque. Donc si vous avez pris de l'argent et que vous n'avez rien fait, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Oui, Bernard ? Je suis en train d'utiliser une autre piste, Julien. Vous savez que pour ces entreprises, elles montent des dossiers pour obtenir la prime Rénov. Et là, je suis en contact avec EFI, E2FY, qui justement récupère les dossiers pour récupérer de l'argent. Donc je vais les appeler en parallèle et on va voir si on peut avancer aussi en parallèle pour voir s'il n'a pas d'autres soucis, ce monsieur-là, avec d'autres clients. Ouais, j'espère que non, mais si vous avez une possibilité de nous aider à le joindre afin qu'il nous donne sa version des faits et qu'on arrange le coup, on l'a vu tout à l'heure avec Reims Auto, on est juste là pour arranger les coups. Villepinte, aller des impressionnistes à Den. On est d'accord, Céline? Oui, on est d'accord. Et je pensais quand même, en disant que Bernard, c'est plutôt une bonne idée d'appeler EFI, parce que c'est EFI qui a conseillé à notre ami de passer par cet artisan. Bon. Donc peut-être qu'il faut le différencier ou en tout cas jeter un œil dessus. Allez. Pour faire attention. On s'en occupe. Merci. Bravo, Bernard. Vous voyez comme quoi, 24 ans qu'on attendait, vous ayez une bonne idée. Ça peut vous arriver. Bon, allez, on continue. N'oubliez pas que le journal des arnaques va arriver. Vous allez voir que là encore, tous les jours, nous sommes en région grâce à nos envoyés spéciaux qui viennent vous dire voilà que telle et telle arnaque dans telle région, ce qui vous évite de vous faire avoir. C'est super important d'écouter. Là, c'est Roxane que nous avons. C'est ça, Stan ? C'est bien ça. Bon, je vais vous demander Olivier Dauvert qui sait la présenter. Comment on présente Roxane, Olivier Dauvert ? Roxane ! Bonjour, Roxane ! Bonjour, vous allez bien ? Là, vous nous avez permis de découvrir une nouvelle facette d'Olivier Dauvert. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Roxane ? C'était des travaux, comme vous, tiens, jamais effectués. Oui, c'est une fosse septique, c'est pour la maison de sa maman. La maman a versé 5600 euros sur un montant de 18 700. Et depuis, eh bien, les travaux n'ont jamais été effectués. C'est dingue, mais je ne sais pas, j'aimerais bien, avant de me donner la parole à Roxane, c'est quand même fou, Didier, si vous suivez un peu cette émission, le nombre d'artisans. Alors, heureusement, il y en a beaucoup, la grande majorité, qui nous écoutent d'ailleurs, qui sont super honnêtes, mais qui prennent des acomptes et qui ne viennent pas. Enfin, on se dit, il est en train de se moquer de moi, il est en train de me piquer mon argent. Écoutez, c'est pour ça que je suis passé par EFI, parce que c'est eux qui m'ont recommandé cet installateur. Donc, je pensais que c'était vérifié, qu'il y avait une stabilité financière. Le problème, c'est qu'après, le gouvernement, tant mieux, lance des grandes opérations comme ça, mais ils ne peuvent pas au quotidien vérifier la solvabilité et vous avez, c'est comme la taxe carbone, etc., des entreprises qui s'engouffrent là-dedans. Bon, alors, qu'est-ce qui s'était passé très exactement pour Roxane ? C'est vous, Bernard, qui vous en étiez occupé ? Oui, j'avais parlé avec monsieur Raffin, que j'avais eu en fin d'émission, Raffin Bâtiment. Il m'a dit, écoutez, je peux pas verser la totalité de la somme, mais déjà, je peux vous montrer que je suis de bonne foi. Je peux faire un virement de 1000 euros. L'a-t-il fait? On va le vérifier. Eh bien, on vous demande tout de suite, Roxane, est-ce que vous avez pu toucher ces 1000 euros ou pas? Alors, moi, j'ai une très bonne nouvelle. Donc, le jour même de l'émission, ils nous ont bien versé 1000 euros. Ils ont pris contact avec nous directement. Et deux jours après, on a eu la totalité de la somme qui nous a été virée sur le compte. Donc, on va pouvoir entamer de nouveaux travaux.
travaux mais avec une autre entreprise. Mais c'est super ce que j'entends là. Incroyable. Magnifique, Roxane. Eh bien, écoutez, là, vous voyez, pour le coup, je dis bravo. Bravo à Raffin Bâtiment. On n'a pas jugé pourquoi il en est arrivé à cette situation. Il a tout rétabli. Il a rendu une femme heureuse. Le principal, c'est que tout est payé. Je remercie Valérie d'avoir pris contact avec nous et d'avoir pris les choses en main parce que c'est quand même aussi grâce à elle. Voilà. Et vous savez, en ce moment, les agriculteurs se battent parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est catastrophique. Mais je tiens à rappeler que dans cette émission, parce que ça n'a l'air de rien, mais quand vous êtes plombé de 18 000 euros, ramenez ça au mois en pouvoir d'achat, mais il y a des gens qui sont ruinés. Et c'est vrai qu'ils ne manifestent pas parce qu'ils ne sont peut-être pas assez nombreux, mais quand, comme on l'a vu dans cette émission, des gens ont donné 34 000, 50 000 euros pour leur maison et que le maçon est parti dans la nature avec la caisse, mais c'est mille fois pire peut-être que des grandes causes. Et pourtant, on ne fait rien. C'est pour ça qu'on dit au gouvernement. Mais le problème, c'est que vous avez compris que ça bouge que quand on bloque les routes. Il faudrait que tous ceux qui se sont fait arnaquer par des maçons, des artisans qui ne sont pas venus bloquent les routes pour qu'on ait une loi qui permette. On va vous redonner un exemple. Bernard Sabat, je deviens demain agent de voyage. Donc en fait, je ne vais pas risquer la vie de quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on va me demander ? Une caution, Julien, de 200 000 euros. Un bien principal que vous donnez en garantie. Je deviens coiffeur, est-ce que je peux ouvrir un salon ? Non, il me faut obligatoirement un diplôme. Je deviens constructeur de maison, je n'ai besoin de rien. Même pas d'un architecte jusqu'à 140 mètres carrés. Je ne sais pas si vous êtes bricoleurs les uns les autres, mais vous pouvez demain vous inscrire constructeur de maison. Il vous suffit d'avoir un peu de bagou. Vous arrivez à convaincre un client. Forcément, une maison, ben, la compte, ça va être 30-40 000 euros. Vous ne faites rien. Et puis après, vous déposez le bilan, puis vous allez rouvrir une autre société. Et ça, tant qu'on ne légiférera pas là-dessus, on va ruiner des gens, maître Novakovic. Absolument. Alors, le conseil aussi, c'est de, quand vous signez un contrat de construction, vous ne versez pas tout de suite d'acompte. Voilà. Ouais, mais alors après le genre. Alors et s'il vous dit ah non non, mais moi s'il y a pas d'acompte, je ne sais pas. Un tout petit acompte. Mais c'est surtout vous prenez quelqu'un qui. Dans votre cas, vous avez versé quasiment la moitié d'acompte sur le devis. Non, c'est pas la moitié, c'est pas plus de 30%. Bon, allez, on avance. Donc Raffin Bâtiment, merci. Oui. C'est vraiment une super nouvelle. Vous vouliez remercier quelqu'un de particulier, Bernard? Oui, tout simplement le gérant Dorian Raffin qui m'avait appelé l'après-midi même de l'émission en disant je vais faire les choses comme il faut. Je suis quelqu'un de sérieux. J'ai pas été sur place. Je reconnais terrassier. J'étais pas bon. Eh ben je rembourse. Eh ben c'est parfait. Et en tout cas bravo Bernard pour cette petite tenue de Peaky Blinders. Franchement, là, j'aime beaucoup ce look. Hein. Alors, vous savez pourquoi, Julien ? Non. Parce que j'ai Cameron Diaz à côté de moi et je voulais vraiment être un homme. C'est vrai que, et franchement, quand on regarde ça, on se croirait à Hollywood. Il y a le Peaky Blinders, on a Cameron Diaz, bon, qui joue un petit peu un nouveau rôle, notre Laura. C'est la femme du Captain Igloo, c'est une super production. Il sortira très prochainement. Comment ça se passe, Laura, cette première ? Oh bah écoutez, tout va bien, hein. Je prends mes marques, tout va bien. Ils sont sympas avec vous, le Mopecho ? Oui, ça va. J'essaye de les secouer un peu, comme Céline. Ah, c'est bien, merci beaucoup. Stan, tout à l'heure, notre journal des arnaques arrive, on a beaucoup de boulot, il y aura beaucoup de coups de fil, hein, puisque même dans le journal des arnaques, on appelle, et il y a peut-être un cas en particulier dont vous voulez parler. Notamment pour le cas de Laurent qui est à côté de vous. Julien, vous parliez il y a quelques instants des acomptes d'artisans. Eh ben, c'est le cas pour Laurent. Il a payé 12 000 euros à un artisan qui n'est jamais venu effectuer les travaux. Et on va se demander s'il s'est fait arnaquer. C'est de la folie, mais c'est devenu un sport national. Il faut vraiment que quelqu'un, un gouvernement, qu'il soit droite ou de gauche, on s'en moque, on ne fait pas de politique, commence à s'inquiéter de ça. Les gens se font plumer les uns après les autres. Allez, c'est parti. Julien Courbet. RTL. Avant d'attaquer le journal des arnaques avec encore une fois beaucoup de dégâts, mais nous allons tenter d'aider tout le monde. Tiffany est là. Tiffany, bonjour. Tiffany, bonjour. Oui, bonjour. Ça va, Tiffany ? Vous appelez d'où ? Ça va et vous ? Ben, de Nice. Eh ben, très bien. Tiffany de Nice. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quelle température à Nice ? Faites-nous un peu rêver ce matin. Il fait un très beau soleil. Alors, avec le ciel bleu. Eh, mais combien la température ? J'ai pas entendu. Il fait 10 degrés. Ah non, il ne fait pas si chaud que ça. Alors, je pensais que vous alliez nous annoncer un petit 14-15. Bon, qu'est-ce qui se passe chez Tiffany ? Ben, c'est la cata. Elle habite dans un appartement avec ses deux enfants. Il y a beaucoup d'infiltrations et donc son bailleur social devait intervenir. Il y a déjà eu une recherche de fuite. Malheureusement, ça n'aboutit pas vraiment. Et c'était vous, Céline, qui vous étiez occupée de ce cas. Que s'était-il passé quand elle était venue nous voir ? Eh bien, plutôt des bonnes nouvelles. On avait appelé Côte d'Azur Habitat, qui est son bailleur, qui a pris tout de suite les choses en main et qui devait la recontacter pour lui proposer une solution. Alors Tiffany, je crois, et il faut remercier quand même ce bailleur, je le redis à chaque fois, je pense que c'est le pire des métiers, parce que les bailleurs sociaux, 10 appartements sur la table, 10 000 demandes, des appartements, ils n'ont pas le budget pour les rénover parce qu'ils n'ont pas une planche à billets. Tiffany, ils vous ont proposé un autre appartement ?
Ils m'ont proposé un autre appartement, oui, mais qui n'était pas adapté à ma situation. Donc, j'ai dû le refuser. Et là, ils sont en train de voir pour me reproposer une autre demande de relogement. Alors, Tiffany, pour les mauvaises langues qui pourraient dire, ben oui, on leur propose un autre appartement, elle n'en veut pas, il faut comprendre que vous avez des contraintes avec vos enfants. Qu'est-ce qui n'allait pas dans l'appartement ? Alors, ben déjà, c'était un troisième étage sans ascenseur, malgré mes problèmes de dos. Ouais. Et le logement, il y avait vraiment tout à refaire. C'est que ça soit peinture, électricité, sol. Et de plus, c'était un duplex. Et malgré que je pouvais mettre les barrières de sécurité pour mes enfants, mes enfants passaient en dessous. Et ça aurait été la cata. Mais je comprends. Bon, là, ils sont toujours sur le coup, hein, en tout cas pour vous trouver là, un autre appartement. Là, ils sont toujours sur le coup, donc voilà. Alors, on va leur dire bravo, Céline. Vous voulez remercier peut-être quelqu'un de particulier à Côte d'Azur, habitat à Nice. Merci à qui nous écoute. Surtout une secrétaire, en fait. Je n'ai pas son prénom, mais c'est une dame très charmante qui nous avait rendu service dans ce dossier lorsqu'on a appelé au service client de ce grand bailleur. Bon, allez, on avance là-dessus pour Côte d'Azur, habitat. Vous m'appelez dès que vous avez ce nouvel appartement. Merci à vous, en tout cas. Merci de nous avoir tenu au courant. Le journal des arnaques va démarrer dans quelques instants. Est-ce que vous vouliez qu'on reparte sur quelque chose, Stan? Je vous laisse gérer un peu. Peut-être encore un dossier qui est en bonne voie, Julien, c'est celui de Mickaël. Ah, Mickaël est donc de retour. Mickaël, bonjour, comment allez-vous ? Oui, bonjour Julien, bonjour tout. Alors, Mickaël, oh là là, c'est un électricien qui était venu faire des travaux. Il y avait juste un petit détail qui nous rendait chaque fois, c'est que la société, en fait, était fermée quand il venait faire les travaux. Elle n'existait plus, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, il y a une société qui a facturé les travaux et une autre société qui a fait le devis. Sauf que la société du devis n'existe plus. Il y avait bien eu une affaire qui avait été fermée en 2018. Donc, c'est quand même très complexe de faire confiance à ce genre d'entreprise. Attention. Hervé, que s'était-il passé dans ce dossier ? C'est dingue. Alors, non seulement vous avez des artisans qui viennent, ils prennent des acomptes, ils ne reviennent plus, ils ne font rien. Puis vous avez ceux qui font des travaux avec des sociétés qui n'existent pas. Voilà, nous en sommes. Hervé Pouchol. Et un bon contact avec l'électricien. Yes. Ce monsieur était dispo pour essayer de rattraper le coup et il devait normalement passer, donc on va vérifier. Alors, est-ce qu'il est passé depuis ou pas ? Bah écoutez, il est passé depuis une fois, donc il s'était engagé à passer trois week-ends d'affilée, oui. Samedi, dimanche. Donc le premier week-end, il est que passé le samedi, pas le dimanche. Et là, le week-end qui vient de passer, il n'est pas passé du tout. Donc, il m'a dit qu'il passait le week-end prochain, voilà. Bon, il a dit qu'il viendra le week-end prochain. Voilà, on est sur le même rythme que sur les 15 mois avant, quoi. Bon, on espère qu'il va aller beaucoup plus vite, donc on lui relance un petit appel à Mohamed Chab, hein, c'est bien ça, de OHM Solutions. Tout à fait. Hein, soyez sympa, venez-en vite au fait qu'on en finisse et qu'on ne parle plus de ça, parce que les faits sont quand même très très graves, rappelons-le, Maître Novakovic, hein, l'histoire de la société qui n'existe pas, faut faire attention quand même. Complètement, c'est une tromperie, donc... Ça s'appelle le délit de tromperie, donc ce serait quand même intéressant effectivement que tout se résolve de façon amiable. Bon, Céline. Et même en termes d'assurance, en fait, il faudrait être sûr de savoir si ce monsieur est assuré. Est-ce qu'il travaille en son nom propre ? Est-ce que finalement c'est par une autre entreprise qui fait les travaux ? C'est pas à souhaiter, mais si jamais il y avait des soucis derrière le chantier, qui prend en charge les problèmes ? Bon, Mohamed Chab, on compte sur vous pour avancer dans cette histoire. Restez avec nous. Le journal des arnaques va démarrer dans quelques instants. Marie-Cécile vient de nous rejoindre. Marie-Cécile, bonjour. Bonjour. Vous en avoir marre hein, de faire des. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, mais... au contraire. Je vous ai promis qu'on vous aiderait, qu'on allait tout faire pour. La situation de Marie-Cécile est juste dingue et que son cas, au-delà du fait qu'on va essayer de faire en sorte d'avancer, je lui garantis rien, mais je lui ai promis qu'on se battrait pour ça et qu'on irait au plus haut sommet de l'État s'il le faut. Mais peut-être qu'il va falloir changer la loi et c'est là où vous allez nous aider, Maître Novakovic, puisque Marie-Cécile, on le rappelle, vous n'avez pas touché un centime. Votre mari a dépensé, vous n'étiez au courant de rien. Et aujourd'hui, vous avez cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vous vivez avec 500 euros par mois. Et combien on vous réclame le fisc ? 1,7 million exactement. 1,7 million. Votre fille, qui n'y est strictement pour rien, a été éjectée de son appartement. Donc c'est un drame familial et vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Et ses affaires ont été volées par le marchand de biens qui ne lui rend pas, on ne sait pas ce qu'il en a été. Ça aussi, on va appeler dans quelques instants parce qu'on aimerait bien savoir. Ça, c'est encore une histoire dans l'histoire. Et puis il y a ce monsieur qui, lui... quelle est sa version des faits ? Je me suis... Excusez-moi, au revoir. Lui, il n'a rien fait. Lui, il n'a rien fait. Voilà. Il y a juste 1,7 million qui ont disparu et il n'a rien fait. Alors, on va appeler... Alors, Stan, on s'organise pour appeler, effectivement, les ministères concernés pour qu'on essaie de voir si on peut laisser un peu tranquille cette dame, mais également cette histoire de marchand de biens. Parce que c'est quand même très bizarre ce qui s'est passé aussi. Absolument. Hein. Voilà. On s'occupe de tout ça et puis, bien sûr, tous vos cas. Notre hôtelière, Alexandra, Valérie, ce sont des copines donc, de Booking.com qui, toutes les deux,
se sont fait un peu avoir. Et Laurent, lui, qui a donné 12 000 euros, et il aimerait bien savoir si l'artisan compte venir un jour ou pas, ne serait-ce que pour voir sa tête. Ça pourrait être sympa. Une arnaque également, étiquette avec vous, Olivier Dauvert. Tout savoir pour ne pas se faire avoir, ça peut vous arriver, revient dans quelques instants. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Mesdames et messieurs, c'est le journal des arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Et nous démarrons avec Marie-Cécile. Marie-Cécile, que vous avez peut-être vue vendredi soir dans l'émission justement Arnaque. Marie-Cécile, merci d'être avec nous. Vous étiez secrétaire administrative justement dans la société de votre ex-mari. Vous allez nous raconter très brièvement comment tout ceci a commencé. Vous rencontrez votre mari, vous l'épousez, vous avez des enfants, vous en avez combien ? Quatre enfants. Tout se passe bien jusqu'en décembre 2018. Après combien d'années de mariage ? 26 ans de mariage. Qu'est-ce que vous découvrez ? Il m'envoie un SMS comme quoi il va être placé en détention provisoire. Vous n'êtes à ce moment-là absolument au courant de rien. Même pas, il ne vous a même pas dit j'ai quelques ennuis, etc. Alors il parlait d'ennuis, de fraude à la TVA, mais c'était, ça n'avait rien à voir avec un placement en détention. Ben, c'est bon. Donc voilà, donc à la suite de ça, je suis allée récupérer tout simplement sa voiture à la gendarmerie, j'ai ouvert sa sacoche. J'ai découvert un pan de vie d'un homme que je ne connaissais pas. Il faut bien se rendre compte que dans tout ce problème, il y a déjà la trahison d'une femme. Mais bien sûr. 26 ans de mariage, 4 enfants. Et tout s'écroule. Votre monde s'écroule, c'est d'une violence. Vous voyez, ça fait 4-5 ans, je suis toujours aussi estomaquée qui m'est trahie. Parce que c'est une trahison de femme avant tout. Donc je découvre le pan de vie d'un homme que je ne connaissais pas. Il n'y a pas eu le moindre indice. Je suis tombée de ma chaise, j'ai perdu 7 kilos en une semaine, je ne mangeais plus, je ne pouvais plus. J'étais asphyxiée, tétanisée. Il y a des femmes, alors des maîtresses, y a-t-il eu relation ou pas, on n'en sait rien. On s'en fout. Peu importe, on s'en fout, vous avez raison, mais a priori cet argent, alors qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Cet argent entretenait deux maîtresses. Alors, il avait une société. Il avait une société d'expertise comptable particulière, il travaillait pour les comités d'entreprise, c'est un secteur particulier. De l'expertise comptable. Et il avait entre autres un chauffeur qui était une chauffeuse avec des dons, un salaire. Donc il prenait dans la caisse. Et il vivait grand train. Il leur faisait vivre grand train, il leur laissait la carte bleue du bureau. Oh, il y a eu plus +1,4 million d'euros dépensés dans des grandes enseignes. Par ces femmes, oui, ils ont enquêté. Alors moi, j'ai été reçue à la police en décembre 2018. Et on se demandait si c'était pas moi qui écoulais cet argent. Ouais. J'ai été mise sur écoute téléphonique à mon insu. Mes comptes ont été analysés à mon insu. Ce qui demeure un choc et un traumatisme. Ils vous ont mis sur écoute, ils vous l'ont dit par la suite? Oui, bien sûr. Pour vérifier si vous n'étiez pas complice. Tout à fait. Tant mieux à la rigueur. Tout à fait. Il me dit, mais vous y êtes pour rien. Ben, je lui dis, vous auriez dû me demander. Je savais, je sais, je n'y suis pour rien. Vous lui aurez demandé, mais vous n'aurez peut-être pas cru. Voilà. Il suffisait de le dire. Voilà, tout à fait. Donc ils ont analysé mes comptes. Mes comptes ont été scrutés, analysés. Votre train de vie. En train de vie. Votre emploi du temps. Certainement, été suivi. Vous menez une vie de truc classique, de mère de famille, etc. J'ouvre une petite parenthèse. Est-ce que ces femmes qui ont profité d'une carte bancaire, voyant que sur la carte bancaire, il y avait un nom de société, puisque c'était une carte de société, sont complices d'une manière ou d'une autre, Maître Novakovic? Bien sûr, vous considérez comme complice si vous êtes de mauvaise foi, si vous êtes complice, si vous êtes au courant, effectivement, de cette fraude, vous êtes tout simplement assigné. Cité devant le tribunal correctionnel également. Où en est-on de la procédure avec ces femmes d'ailleurs ? Est-ce qu'elles sont inquiétées ? Elles ont été poursuivies pour recel. Voilà. Le chauffeur a été relaxé, le terme exact, et l'autre a été condamné pour recel. Bon. Donc vous découvrez tout ça. Votre mari donc part derrière les barreaux ? Alors, il est parti 15 jours. Déjà, comment vous avez expliqué ça à vos enfants ? Ils sont grands. Il y en a un que j'ai appelé. Eux-mêmes, ils étaient en pleurs. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Puis vous vous demandez pourquoi? Parce que quand il a été placé en détention provisoire, je me demandais pourquoi. Son histoire de TVA, oui, je l'ai reliée, mais la TVA et la détention provisoire, c'est quand même excessif d'être en détention pour une fraude à la TVA. Donc vous tombez de votre chaise, vous perdez 7 kilos, et puis petit à petit, vous allez commencer à essayer de reconstituer, je suppose, le puzzle. Et là, vous allez trouver du pétrole. Pourquoi on remonte à combien? Une somme de 1 700 000 aujourd'hui. Alors expliquez-nous qui vous demande cet argent et pourquoi. Alors la société a été mise en liquidation, la société dans laquelle il travaillait et je travaillais.
À la suite de ça, il y a eu un procès au pénal en janvier 2022 dans lequel j'ai été partie civile, ce qui m'a permis d'avoir accès au dossier et de comprendre l'intégralité de ce qui s'était passé. Effectivement, il menait grand train avec ses femmes et il y a eu une charge contre lui énorme d'abus de biens sociaux, de blanchiment d'argent, d'escroquerie, d'exercice illégal de la profession. Je suis reconnue... Il était là au procès ? Oui, bien sûr, il était là. Ainsi que il a été condamné à quoi alors ? Il a été condamné à 2 ans de prison, il a fait 2 mois... Il est actuellement... Mais à payer combien ? Lui, doit la même... Alors, j'ai la même peine que le fraudeur. J'y ai su pour rien, mais nous avons l'un et l'autre peine. Maître Novakovic, comment expliquer ? Parce que là, je me mets à la place de ceux qui regardent. Elle n'a rien fait, elle a été sur écoute, elle a été suivie. Tout le monde peut prouver par A plus B qu'elle n'a pas eu un centime d'enrichissement. Et c'est pourtant à elle qu'on vient demander les sous parce qu'elle est simplement mariée avec lui. Alors, effectivement, il s'avère que, malheureusement, lorsqu'un conjoint est soumis à une imposition commune, eh bien, il est aussi poursuivi par le fisc, malheureusement. Ça s'appelle la solidarité fiscale. Et il existe ce qu'on appelle un système qui s'appelle la décharge fiscale. Donc, on peut demander à décharger fiscalement. En 2022, il y a 59% des femmes qui ont été déchargées fiscalement. 59% de femmes de bonne foi, bien sûr. Mais si on prouve sa bonne foi... C'est encore très peu comme chiffre. Donc, il s'avère que l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une loi, c'est très récent, le 18 janvier 2024, il y a quelques jours. Donc maintenant, c'est soumis au Sénat. Et cette loi, je pense, ce législateur a réagi, peut-être suite à nos nombreuses émissions là-dessus, c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis des mois. Et tant mieux, et merci au législateur. Maintenant, il faut que le Sénat adopte à l'unanimité cela, parce que ça veut dire que des cas comme elle, des cas comme vous, des cas de femmes de bonne foi, eh bien, seront déchargés quasiment automatiquement de cette charge fiscale qui est celle de la solidarité avec le conjoint. Et aujourd'hui, il faut quand même... Allez-y, madame. Je suis pas certaine que ce soit automatique, parce que demeure une possibilité pour l'administration fiscale de nous accorder ou non cette remise gracieuse. Oui, de quasi systématiquement, effectivement, bon. Automatique. Mesdames, dans la mesure où on est de je vous propose qu'on attende que la loi soit votée pour en débattre et pour voir comment ça va se passer. Essayons de revenir sur votre cas. Oui. Mais actuellement, la proposition de loi permet à l'administration fiscale de ne pas nous décharger et de toujours nous juger sur notre bonne foi. Ce qu'est en train d'expliquer cette dame, c'est que la loi ne changera pas grand-chose. C'est que l'administration fiscale pourra toujours dire « Nous, on estime qu'elle va payer, etc. » Moi, je voudrais qu'on revienne sur votre cas et qu'on parle justement d'administration fiscale. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un centime, il n'y a plus rien. Dès qu'il y a un centime qui arrive sur votre compte, l'administration fiscale vient, vous vivez avec 500 euros par mois, grosso modo. Je fais en sorte, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que peut attendre l'administration fiscale ? Elle doit 1 600 000. Qu'est-ce qu'elle... Alors, soit elle attend qu'elle gagne au loto, et auquel cas, effectivement, vous gagnez l'euro million, l'administration fiscale dira, je peux reprendre des sous. Mais en attendant, à part venir l'enfoncer et lui dire, dès qu'un centime rentrera sur ton compte, on te le prendra, je ne vois pas où tout ceci va mener. Donc, on va essayer d'avancer sur ce dossier, si vous le voulez bien. Mais après, il y a un dossier dans le dossier, avec une histoire d'appartement qui est quand même très bizarre, vous nous le direz, Céline. Vous suivez, ça peut vous arriver. On est bien d'accord, à chaque fois aujourd'hui que vous rentrez un centime... Alors, on est hors antenne ? Non, on est à l'antenne, là, madame. Et on y sera jusqu'à la fin de l'émission. Non, oui, à chaque fois. Sur les émissions, on est le moindre centime qui rentre sur mon compte part à l'administration fiscale. Ouais. Et lui, il fait quoi alors maintenant, ce monsieur ? Alors lui, ses procédures sont compliquées également parce qu'ils lui ont enlevé son cabinet, mis en détention, il lui réclame quand même la somme. Je ne suis pas là pour le défendre, mais comme on est dans le même bateau, c'est compliqué. Lui, il a porté son dossier devant la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de non bis in idem. On ne peut pas être puni deux fois pour la même faute. Donc, vous ne pouvez pas rembourser votre dette si vous êtes en prison et on vient de vous chercher nous. Mais c'est fou. Hein. C'est ça qui est complètement fou. Et son cas fait effectivement jurisprudence au niveau de cette Cour de justice et ça fait débat parce que c'est quand même compliqué. Et il faut que cette loi, d'une manière ou d'une autre, elle passe et qu'elle soit intelligente parce que sinon, franchement, ça ne donne pas envie de se marier. Parce que vous dites, une fois que je suis marié, si mon mari est très fort et qu'il fait des bêtises, je vais tout payer pour lui. Donc on ne peut pas dire d'un côté aux gens, mariez-vous, faites des enfants, etc. Et de l'autre, attention, vous serez responsable de tout. On verra derrière les conseils de maître. Sur RTL. L'histoire est complètement dingue et parfaitement injuste. Donc cette femme qui est à mes côtés, qui nous raconte son récit, découvre tout d'un coup, par hasard, que son mari a vécu grand train, a donné les cartes bancaires de la société à des femmes qui ont dépensé pour 1 600 000. Elles ont acheté quoi d'ailleurs avec 1 600 000 euros ? Des téléphones portables en quantité effrayante, notamment dans une grande enseigne d'électroménager. Enfin, pas 1 600 000 euros, il n'y a pas eu que ça quand même. Sur 10 ans. D'accord. Sur 10 ans, oui, ça fait beaucoup. Et lui, il vous envoyait des photos où il était aux quatre coins du monde ? Depuis.
Ouais. Et puis il envoie des photos, il est en Guadeloupe, il était là. Là actuellement ? Non, là actuellement. Ah bon. Enfin, j'en sais rien, il m'a menti pendant 26 ans, donc vous dire exactement ce qu'il en est aujourd'hui, j'en sais rien. Mais il faut, ce qu'il faut dans le cadre de la loi, c'est accorder une décharge automatique à partir du moment où l'épouse est en dehors de cette responsabilité fiscale. C'est exactement le projet. Et c'est exactement le projet, on va voir ce qui va en sortir, mais en tout cas, cette dame, elle a été entendue par la police, écoutée, suivie, et il est clair qu'elle n'a pas dépensé un euro. Alors, aujourd'hui, qui peut la sortir de là ? Il n'y a qu'un ministre qui pourrait donner un petit coup de fil en disant l'administration fiscale, calmer un petit peu. Alors, on essaie de contacter le ministère, alors c'est le ministère de Bruno Le Maire, maintenant, que l'on essaie de contacter via ses services de communication pour qu'au moins, aujourd'hui, l'administration fiscale la laisse respirer. Elle n'a rien. Donc ça ne sert à rien qu'on vienne à chaque fois qu'à la rigueur, on lui dise « Madame, si un jour vous rentrez 1 million d'euros ou 500 000, comprenez qu'il faut bien comprendre quelque chose, ça pourrait s'entendre. » Et là, vous vivez avec 500 euros, donc je ne vois pas pourquoi on lui met cette pression. En fait, quand il y a des biens, ce qu'il y a des biens quand même, quand il y a des biens… Ils ont été vendus. La plupart, non. L'appartement de votre, dans lequel habitait votre fille. C'est le seul bien que j'avais a été vendu. Donc la décharge fiscale est toujours très difficile, en fait, quand il y a des biens. Oui, mais Sylvie, il y a des biens, ils ont été vendus, il n'y a plus rien maintenant. Non, mais vous dites qu'il y a des biens, il n'y en a plus, rien. C'est ça que je veux dire, c'est que l'administration fiscale, quand il n'y a aucun bien, absolument rien, effectivement, ont du mal à accorder cette décharge fiscale. Bon, alors, on essaie de lancer un appel, donc, au service de Bruno Le Maire, au service du fisc, soyez sympa. Vous essayez d'appeler, expliquez-moi un petit peu celle des appels, Stan, ce qui se passe là-bas. Écoutez, justement, voilà, on se répartit le travail ici parce que vous le savez, ce n'est pas évident de joindre les différents ministères. Donc évidemment, nous essayons avec Hervé Pouchol et Bernard Sabat de contacter le service presse du ministère de l'économie, voir s'ils peuvent peut-être nous donner un coup de pouce dans cette histoire. Sachez en tout cas que Bruno Le Maire, lui, est très au courant de manière de ces cas de solidarité fiscale de manière générale, puisqu'il a tweeté le 18 janvier, donc à propos du projet de loi, il a dit « Nous mettons fin à une injustice qui obligeait certaines femmes à acquitter la dette fiscale de leur ex-mari violent alors qu'elles n'étaient en rien au courant de ces agissements frauduleux. » Donc, il est tout à fait au courant de la situation de nombreuses de ces femmes, malheureusement, allez, en France. On y va, on compte vraiment pour que ça bouge et que du côté maintenant du fisc, ils disent « Bon, on la laisse respirer, on la laisse tranquille, elle n'y est pour rien. » Alors maintenant, problème dans le problème, c'est l'appartement. Alors, sans trop se noyer dans les détails, quel est ce deuxième problème ? L'appartement dont j'étais propriétaire a été vendu. Les marchands de biens ont obtenu une expulsion manu militari sans laisser à ma fille le temps de finir l'alternance dans laquelle elle était. L'expulsion devait avoir lieu en septembre, elle a été expulsée en mai. Elle a été sortie de chez elle, donc sans ses affaires, puisqu'elle était... Elle est allée travailler. Et au moment de rendre l'intégralité des affaires qui se trouvaient dans l'appartement, ce qui est légal... Ses affaires personnelles, 10 ans de sa vie, de 18 à 28 ans, ont été volées par les marchands de biens. Rien ne lui a été rendu. Vous avez montré vendredi soir les photos. Tout a été est parti en sac poubelle. 10 ans de vie. 10 ans de vie, 18 à 28 ans. Je vous laisse imaginer. Vous vous rendez compte, les méthodes quand même. Donc, cette dame n'y est pour rien parce que son mari a fait des bêtises. On lui fait tout payer à elle. On lui vend le bien dans lequel elle avait mis sa fille. On vire la fille, on prend les affaires et les affaires disparaissent. Donc, on a les numéros Stan, il faut appeler ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur dites où sont les affaires de ma vie ? Ils disent rien, ils ont tout rendu. D'accord. Ils ont tout rendu. Alors, ils ont tout rendu, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Mais dans ces cas-là, il y a un bon. Enfin, je suppose qu'il y a un échange de papiers quand on dit on a tout rendu. C'est trop facile. Ils auraient dû faire un inventaire. De toute façon, on ne prend pas des biens comme ça. On sait qu'un appartement est forcément habité, enfin, forcément meublé. Donc là, il faut une explication, bien évidemment. Allez, on y va. Alors, on appelle. Moi, je ne l'ai pas là, sur ma fiche, ce monsieur, qui devrait répondre d'une seconde à l'autre dans ce cas. William Vol. Alors, attention, voyons s'il répond. Nous cherchons donc à le joindre. Il faut qu'il nous amène la preuve qu'il a rendu les biens. Vous pensez bien que sa fille ne serait pas là en train de nous dire « Il y a 10 ans de ma vie qui ont disparu si on lui avait rendu. » Il y a des images qui existent où on les voit prendre les affaires et les jeter dans une voiture. Sur la messagerie de Clément Gambin. C'est pas le bon numéro. S'est trompé de numéro, mes amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Okay. Alors, on va essayer de le récupérer. Vous connaissez ce monsieur-là qu'on vient d'appeler ou c'est oui, rien à voir ? C'est nos avocats qui s'occupent du dossier. Ouais, vous avez carrément appelé l'avocat de madame en l'accusant d'avoir piqué les trucs. Jusque-là, tout va bien. C'est bien, ça peut vous aller. Bon, alors, je ne sais pas qui a fait le numéro là-bas. Il me faudra un responsable. C'est le numéro qu'on avait dans le dossier pour autant, mais on va le reprendre. Oh, mais c'est pas grave. On va faire le bon numéro. On récupère ça et on s'en occupe. Donc restez avec nous et encore une fois, je m'adresse à Bruno Le Maire. Il faut un petit coup de fil et vous pouvez au moins faire en sorte que madame respire parce que vous ne respirez plus là aujourd'hui. Ah, je suis asphyxiée. Voilà. C'est une double violence. La violence du mari
sur laquelle l'administration fiscale se greffe, donc c'est la double peine. Et vous n'aurez rien. En plus, l'acharnement ne sert à rien puisqu'elle n'a plus rien. Non, absolument. Ça ne sert à rien. Sinon, elle a tué à petit feu. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de biens. Vous lui avez tout pris. Elle n'y est pour rien. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, autant lui dire, madame, ok, on vous laisse tranquille. Sinon, à un moment ou à un autre, elle va péter les plombs. Si ce n'est déjà le cas. Non, mais franchement, enfin, je ne sais pas comment vous faites. J'ai un respect pour vous. Non, mais bien sûr qu'on est à des moments de détresse. Nous sommes dans des moments de détresse absolue. C'est une torture. On vit avec cette hantise qui vient. Alors, des lettres commandées, le facteur sonne. Vous êtes en transe en vous demandant encore ce qui va vous arriver. C'est insupportable. Bon, il faut que ça bouge et je compte vraiment sur le ministère de Bruno Le Maire pour le faire. Restez avec nous. On appelle de tous les côtés. Le journal des arnaques va continuer dans quelques instants. Il y aura le double voyage d'Alexandra et de Valérie. Les deux sont passés par le même organisme. Une a été débitée deux fois. Pour un seul voyage, l'autre à un hôtel, et c'est ses clients qui se font avoir, c'est très malin, puisque les clients ont reçu un mail en leur disant « on a un petit problème sur votre réservation, redonnez-nous les coordonnées », ils se sont fait plumer. Et puis alors le grand classique maintenant, j'ai envie de dire le cas signature de l'émission, un artisan qui a pris combien, monsieur ? 12 000. Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui quand vous lui dites « vous n'êtes jamais venu » On a évolué un petit peu sur le dossier, j'ai récupéré un chèque. Vous avez déjà récupéré un chèque. Bon, on va voir où ça en est. Ne bougez pas, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez réagir sur le hashtag CPVA sur X concernant notamment l'injustice que vit Marie-Cécile. A tout de suite, voyons si ça bouge côté ministère et côté fisc la concernant. Ça peut vous arriver, partenaire de votre vie quotidienne. Dernière partie de l'émission au cœur du journal des arnaques sur RTL M6. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Le cas de Marie-Cécile est dingue. Une loi est en préparation, mais Marie-Cécile n'a rien vu, rien entendu. Un jour, elle a découvert, au bout de combien, vous m'avez dit, d'années de mariage ? 26 ans. 26 ans d'années de mariage que son mari donnait les cartes bancaires de la société à deux femmes. Et 1 600 000 euros ont disparu. Aujourd'hui, le fisc réclame des comptes. Et il vient lui réclamer à elle. Or, elle a été entendue, elle a même été écoutée par la police, certainement suivie. On s'est aperçu qu'elle n'y était pour rien, qu'elle ne savait rien, puisqu'elle n'y a pas eu le moindre enrichissement. Mais il y a un deuxième problème, c'est que du coup, le fisc, lui, ne fait pas de sentiment, a tout saisi, notamment le seul bien que vous aviez, un appartement dans lequel vous aviez mis votre fille. Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé, Céline ? Du jour au lendemain, un marchand de biens a toqué à la porte de chez sa fille, et il a tout simplement viré. Ça faisait 10 ans qu'elle habitait là, donc des sacs poubelles ont été ouverts, les affaires mises comme ça à la va-vite, et depuis, on ne sait pas où sont toutes les affaires personnelles de la fille de madame. Donc on a vu des images vendredi où effectivement ils prennent les sacs poubelles, ils mettent ça dans une voiture, mais ils ne les rendent pas. Non. Comment ça se passe dans ces cas-là, Maître Novakovic ? Enfin, je ne sais pas, dans ces cas-là, au moins laissez-les sur le palier, qu'elles puissent elles-mêmes. Pourquoi ils les ont pris ? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ils partent avec ? Vous n'avez aucune explication ? Aucune explication. Une vengeance, une année... Je ne sais pas. On ne part pas avec. Comment ça se passe d'habitude ? Déjà, dans un premier lieu, je pense que vous avez déposé une plainte pour vol, j'imagine. Oui. Bon, très bien. Donc, il y aura une enquête. Ils vont les interroger, les convoquer et savoir ce qu'ils ont fait. Alors. Parce qu'il faut qu'ils restituent, effectivement, ces objets. Maintenant, aller prouver quels étaient les objets, oui, c'est tout le problème de preuve. Alors, ceci étant dit, il y a une vidéo, hein. Il y a une vidéo où on voit, effectivement, les gens prendre les sacs, les mettre dans une voiture et partir avec. Ça, ce preuve est excellent. Alors, et je suppose qu'on les donne également au commissaire. Bien. Alors, nous essayons de joindre ce marchand de biens. Ça, c'est la version de Marie-Cécile. Et je suppose que le marchand de biens en a une toute autre différente, qu'on est tout à fait prêt à écouter. Malheureusement, on n'a pas de coordonnées. On n'a que les coordonnées de son avocat. D'ailleurs, on peut essayer d'appeler l'avocat pour lui demander s'il veut prendre la parole. Nous cherchons à joindre la société Imsol, qui est à Saint-Cloud, Solène Manac. Vous êtes la bienvenue, madame, pour hors antenne. Ou hors antenne nous dit non, c'est pas vrai ce que vous racontez, elle veut juste savoir où sont passées les affaires de sa fille parce que là, c'est la double peine. Et puis on attend toujours que les équipes de Bruno Le Maire, le ministre du budget, disent aux impôts laissez-la tranquille, elle n'a rien, donc venir lui mettre la pression tous les jours, elle vit avec 500 euros par mois, à part l'enfoncer psychologiquement, vous ne ferez rien d'autre, vous n'obtiendrez rien, il n'y a rien, on est bien d'accord. Comme l'on dit, on ne tombe pas un œuf. Donc au moins que ça s'arrête en attendant la suite. Allez, on continue maintenant au journal des arnaques RTL M6.
Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Tout d'abord, nous avons... Alors, on traite de tous les dossiers, il n'y a pas de petits dossiers, de gros dossiers. C'est tous les bobos de la vie de tous les jours. Celui de Marie-Cécile est évidemment extraordinaire. Mais on peut avoir des ennuis beaucoup plus simples qui sont souvent les plus difficiles à régler. Valérie, vous nous arrivez de Soissons. Dans l'Aisne, que se passe-t-il à Soissons, Laura, s'il vous plaît ? Alors, on est dans l'Aisne et un homme a été arrêté par les gendarmes à Soissons. Donc, il roulait un peu trop vite, 210 km/h au lieu de 110 km/h. Donc, manque de chance pour lui. Il y avait un radar à cet endroit-là. Et comment il a justifié, à votre avis, Julien, aux gendarmes ? Je ne sais pas, mais ils ont énormément d'imagination, plus que moi. Eh bien, il voulait tout simplement tester sa nouvelle voiture. Eh oui. Bon, bah, du coup, pas de chance. Hein, son permis a donc fait l'objet d'une rétention administrative. Ceci étant dit, après, on peut avoir un débat. On vend des voitures qui vont à 210 km/h. Il dit, on m'a vendu une voiture qui va à 210. Bah, j'ai voulu voir si c'était vrai. Vous avez donc Valérie, vous qui êtes animatrice sportive en milieu associatif. Vous avez deux enfants et vous avez réservé un voyage pour aller à, vous m'avez dit ? Hourgada. Hein ? Hourgada, en Égypte. Oh, bienvenue à Hourgada. Hourgada, Bernard ? Oui, c'est sur la mer Rouge. Vous y avez déjà été ? Oui, c'est magnifique. J'ai eu même la chance d'inaugurer un magnifique hôtel. Et il y avait un Club Med qui a fermé depuis, mais c'est un endroit magique. Alors, c'est vraiment l'eau transparente et vous allez l'eau adorer. L'eau transparente, ça c'est bien, hein, tant mieux. On voit ses pieds comme ça. Et où on marche. Après ce détail est fort intéressant touristiquement, ma chère Valérie. Racontez-nous quel est votre problème. Il a eu lieu ce voyage ? Oui, oui. Il s'est bien passé ? Oui, très bien. Bon, alors c'est quand vous êtes rentrée qu'il y a eu une surprise ? Non, avant de partir. Hein. Ah. Donc on décide de réserver sur un site... Oui, le gros site, très bien, on va les appeler. Et donc, on réserve l'hôtel, on choisit l'hôtel, on le réserve, et on avait deux moyens de payer, ou c'était le paiement immédiat, ou alors le paiement différé. Donc, on a fait ça au mois de juillet, et donc on reporte le paiement, c'est un prélèvement en fait. Et vous payez après au retour ? Non, avant de partir, le 11 août. Vous avez pris le paiement immédiat ? Non, on a pris l'autre. Ça va, il va falloir être plus clair parce que ça commence à sentir la magouille, votre histoire. Bon, donc, bref, enfin, de toute façon, je vais vous dire. On ne paye pas maintenant. Et puis, vous avez été débité deux fois, voilà. Deux fois. Alors, quand vous les appelez, on ne va pas rentrer dans les détails. On a été payé débité deux fois parce que, avant de partir, on se dit, on ne réserve jamais comme ça. Donc, le fin juillet, on dit, on va régler, comme ça, le budget est fait. Et voilà. Donc, je paye parce que sur le site Booking, à un moment, c'est marqué. Donc, votre prélèvement sera effectué le 11 juillet. Le 11 août, on partait le 16. Oui. Ou alors, paiement immédiat. Donc, je clique dans paiement immédiat. Okay. Je paye. J'ai la confirmation de ma banque. Bon. Et voilà. Et c'est une fois là-bas que vous êtes aperçu que vous avez été débité deux fois. Les deux fois. On a reçu un mail parce qu'il y avait toujours le paiement différé qui était actif. Voilà. Donc, le 10 au soir, on reçoit un mail, il faut qu'il y ait l'argent sur le compte, sinon le voyage est annulé si on ne peut pas payer. Donc, bon, alors, vous avez sur votre compte en banque, il est prouvé par A plus B, vous avez payé deux fois. Donc vous les appelez après que ça soit... Oh là 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 là, oui. Alors allez-y sur le haut, là. Ben, c'est une plateforme, je pense, avec des gens qui parlent plus ou moins bien français. Ouais. On les appelle, donc c'est vrai que c'est... Et personne ne vous écoute. Ben, on ne retombe jamais sur la même personne à chaque fois qu'on rappelle. Donc on Et à chaque fois, il vous dit, je transmets. Voilà, donc il ne trouvait pas notre paiement, déjà une. Ouais, je me demande un jour, mais franchement, parce qu'on peut se poser la question, on a ça tous les jours. Vous appelez la plateforme et on vous dit, madame, j'ai bien pris en compte votre dossier, je le transmets. Et 10 jours après, vous n'avez rien, vous rappelez et on vous redit la même chose, on vous donne la même chose. J'aimerais bien savoir si à un moment donné... Là, vous ne me voyez pas, mais je vais mimer. Quand la personne vous dit « J'ai votre dossier, je le transmets », s'il ne fait pas une boule, peut-être. Et il vise une poubelle. Ça y est, j'ai transmis. Et vous vous rappelez 10 jours après. Non, mais c'est vrai, parce que ça peut arriver. Combien de fois vous l'avez fait ? Ça sert à quoi ? Autant dire, madame, on ne va rien faire, parce qu'on n'en a rien à faire et on n'est pas équipé pour le faire. Mais ne pas faire croire aux gens qu'on va s'en occuper. C'est juste une voix, en fait. Alors, la dernière fois que j'ai eu quelqu'un au téléphone, il me disait que le remboursement allait être effectué via le portefeuille Booking. Ouais. Et donc, ou après, on peut transférer sur notre compte. Enfin, moi, j'ai jamais arrivé. Bon, alors, on y va. Bernard, déjà, votre analyse. La première chose, on est bien d'accord que vous avez acheté, Valérie, vos billets séparément. Vos billets d'avion pour aller à Hourgada, vous les avez achetés à part ? Ok. Ça, c'est un conseil qu'il faut donner, Julien, à tous les prestataires et à tous les clients et tous les auditeurs et téléspectateurs de RTL M6. Achetez un forfait avion plus hôtel dans la même agence de voyage. C'est important, ou chez le même tour opérateur. Ça aurait changé quoi, là ?
Bah, le problème, c'est que là, quand vous payez un acompte ou un solde, peu importe, s'il y a le moins de soucis, et si vous êtes débité deux fois, l'argent est garanti par les caisses d'assurance professionnelles et on vous rembourse immédiatement, Julien. Ok, mais là, en l'occurrence, ils ont touché deux fois, donc j'ose espérer que c'est garanti qu'ils vont la rembourser. Oui, mais ils vont la rembourser, si ce n'est qu'elle avait choisi le mode différé, après elle a eu peur, elle a choisi le mode immédiat, c'est un process différent, et ils se servent de cette excuse pour conserver la trésorerie. De juillet. Voilà, c'est bon, quoi. Booking.com, ils ont un petit chiffre d'affaires. Tenez, Céline, c'est votre première, c'est votre premier bisutage. Trouvez-moi le chiffre d'affaires Booking.com. Je pense qu'ils font un peu de trésorerie, c'est bien, mais la trésorerie de madame par rapport à celle de Booking.com, c'est pas la même. Bon, alors, on se prépare à appeler, on va faire un appel groupé. Ça, c'est le premier cas. Nous avons un deuxième cas qui va arriver maintenant. Donc, juste, Valérie, dernier contact que vous avez eu avec eux, c'est. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour la dernière fois ? Ah ben que c'était que ça allait être fait sur le portefeuille. Et là, vous avez l'impression que... Après, j'ai envoyé un recommandé à Booking France. Oui. Et depuis le mois de décembre. Bon. Alors, après, on va aller sur Alexandra, qui nous arrive, elle, de Villefranche-sur-Mer. Est-ce qu'il se passe des choses particulières en quelques secondes à Villefranche-sur-Mer, s'il vous plaît, Laura ? Oui, bien sûr. Alors, vu que nous terminons la saison fin juin, j'ai trouvé une idée pour nous occuper cet été. Ah. Donc, la commune de Villefranche recherche des maîtres nageurs pour l'été 2024. Donc, bien évidemment, il ne suffit pas juste de bronzer ou de savoir nager. Hein. Il faut des diplômes. Je dis ça pour Bernard Sarba et Hervé Pouchol, pardon. Et donc, pour postuler, il faut donc envoyer son CV à la mairie de Villefranche-sur-Mer. Mais Hervé était maître nageur sauveteur sur une plage, ça il ne le raconte jamais. Et il y avait eu un sauvetage à faire, il s'est précipité à l'eau, il a fait une hydrocution parce qu'il venait de manger une choucroute juste avant, il a fallu le sauver. Hein. On a pu sauver du merci Hervé, mais la personne, on n'a pas de nouvelles. Hein. Bon, t'es spécialisé dans le bouche à bouche. Oui, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, ils ont un bouche à bouche. Vous voyez, par exemple, les gens se tordent une cheville, monsieur, je vais vous faire immédiatement, ou madame surtout, un bouche à bouche. Bon, allez, on s'attaque au cas de Alexandra. Elle, c'est dans l'autre sens, c'est ses clients qui se sont fait avoir. Et là, pareil, ça n'arrive pas à bouger. Et puis Laurent, qui a donné 12 000 euros pour des travaux qui n'ont jamais été effectués. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alexandra, donc racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez trouvé le chiffre d'affaires ou... Oui, alors on a trouvé 76 milliards, mais je pense que c'est énorme. Je pense que c'est pour l'intégralité des plateformes. Il me semble que pour Booking, c'est 16 milliards. C'est normal qu'ils gardent un petit peu l'argent, ils gagnent 76 milliards. Hein. Vous pouvez patienter parce que vous avez plus de moyens, évidemment. Alexandra, donc un hôtel. Je ne sais pas si on a une photo de son bel hôtel ou pas du tout, Stan. On en a plein. Julien, vous allez voir qu'il est magnifique. Alors regardez, voilà. Ouh, effectivement, il se trouve où exactement à Nice ? À Villefranche-sur-Mer. À Villefranche-sur-Mer, il y a une adresse précise ? 6 avenue du Maréchal Joffre. Et regardez ça, c'est magnifique. Et on se croirait à Miami presque. Alors, vous l'avez depuis combien de temps ? Alors, c'était à mon arrière-grand-père. Il date de 1926. Il est un peu art déco. Enfin, je ne sais pas si c'est le style à l'époque. Ils l'ont refait dans les années 30. Oui. Il est protégé, non ? Je suppose. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez sur la façade. Ouais. On est au monument du patrimoine. Évidemment. Bon, il est magnifique. Autre chose, Stade, regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce qu'on est au troisième sous-sol là, d'une. Nous-mêmes. Il n'y a pas de fenêtre là où on se trouve au moment où je suis en train de vous parler, on a envie d'être là-bas. Regardez comme c'est mignon. Et il n'est que 3 étoiles. Mais oui, c'est magnifique. Pas mal. Non mais c'est super. Enfin, je veux dire, franchement, c'est faire une affaire que d'aller dans un hôtel comme ça, qui est 3 étoiles, puisque le prix après est en fonction des étoiles. Oui, je suis en train de faire des travaux de rénovation. Et il est magnifique, votre hôtel. Bon, alors voilà, retenez bien le nom, c'est, vous m'avez dit ? Hôtel Le Provençal. Le Provençal. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? C'est vos clients qui, malheureusement, eux, sont maintenant un peu les dindons de la farce. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réservé votre hôtel en passant par Booking.com. Ils vous prennent combien, Booking, vous, sur les chambres ? 15%. 15%. Donc, vous avez été payé pour ces réservations ? On a été payé pour ces réservations. Enfin, ça dépend selon le mode de paiement des clients. Et ensuite, ils ont reçu un message pour leur dire que s'ils ne donnaient pas leurs coordonnées bancaires à nouveau, leur réservation serait annulée. Et... Alors, qui a été piraté ? Est-ce que c'est Booking.com qui a été piraté ou c'est vous qui avez été piraté ? Alors, je pense que nous, on a dû cliquer à la réception sur un mauvais lien, mais c'est le système, la messagerie de Booking.com qui a été piratée, puisque c'est là qu'ils ont trouvé les données, le montant du séjour, les mails des clients. Ils ont envoyé 370 mails aux clients qui allaient arriver. Donc, ils ont réussi à les trier. Ouais. Alors aujourd'hui, pourquoi vous êtes parmi nous ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui bloque ? Que disent les clients ? Alors, les clients n'ont pas été remboursés. On les a renvoyés sur nous. C'était des grosses sommes ? C'était des semaines entières ? C'était 700 euros, 1000 euros, 300... Ouais. Ça dépend des clients. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui ont annulé. Et Booking, en fait, au bout de 3 semaines, on n'avait plus du tout accès à l'extranet de Booking. On était complètement bloqués.
Et pareil, j'ai appelé 6 fois le service client. C'est autant laborieux pour les hôtels que pour les clients d'avoir des gens au téléphone. Et parce que maintenant, vous m'avez dit que certains clients vous accusent un petit peu, vous. Enfin, alors, ils vous accusent de quoi, en fait ? Alors, il y a un client, ben justement, j'ai retrouvé un message ce matin qui me dit que c'est laborieux, que c'est pas normal d'avoir une brèche de sécurité pareille, etc., etc. Ouais. Sauf que moi, mon métier, c'est l'hôtellerie et de recevoir des clients. Et eux, leur métier, c'est d'être une plateforme... une plateforme internet. Donc je vais vous poser une question. Si je vais sur Booking, que je vois votre hôtel à un prix, si je vous appelle directement, vous me faites le même prix ou vous n'avez pas le droit ? Pas du tout. Alors depuis la loi Macron, on a le droit d'avoir des prix. On est libre de mettre nos propres prix. Non, mais vous pouvez me faire le même prix que sur Booking ? Non, je fais moins cher que sur Booking. Ben moins cher ? Oui, d'accord. Bien sûr. Ok. Et donc là, il y aura moins de chances de se pirater, c'est bien ça ? Ah bah, il n'y a pas de pirates. Nous, on sous-traite ce qu'on ne sait pas faire. Quoi. Bon, donc, okay. Allez, on va les appeler. Bon, attention, hein, c'est une très grosse boîte. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, ils n'indemnisent pas. Très gros chiffre d'affaires. Vous pensez bien que ces deux personnes n'y sont pour rien. Règle d'or avec Maître Novakovic et on avance sur tous nos dossiers. Julien Courbet sur RTL. À vous qui suivez, ça peut vous arriver, le journal des arnaques. Nous avons donc d'un côté Valérie qui, elle, la pauvre, a réservé un voyage sur booking.com. Elle a été débitée 2 fois. Et comme le dit, vous savez ce que c'est l'expression dans l'émission ? Quand on a été débité, on veut être ? Remboursé. Non, pas dans l'émission. Il y a une dame qui est venue un jour, elle a été débitée, comme vous. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous attendez de l'émission ? Elle m'a dit, je veux être rebitée. Voilà, donc c'est pour ça que je disais ça. Donc elle veut être rebitée, mais c'est vrai, histoire vraie. Et puis on a le deuxième cas. Là, c'est une professionnelle qui a un hôtel sublime, d'ailleurs. Qu'est-ce qui lui arrive ? En fait, elle s'est fait pirater son compte Booking sur lequel elle peut réserver des places, des chambres pour ses clients. Et donc, quelqu'un a envoyé des messages à ses clients demandant de repayer une deuxième fois les chambres. Et ce qui est dingue dans votre histoire, c'est que Booking demande à cette dame, à la gérante de l'hôtel, de rembourser ces personnes. Mais elle n'y est bien pour sûr. Rien. Mais évidemment, ils ont réussi à rentrer dans le système de toute façon de Booking, puisqu'ils avaient des renseignements que vous-même, vous n'aviez pas, c'est ça ? Ils avaient accès à tout, les hackers. Ouais. Et je leur ai demandé à Booking, en situation d'urgence, d'envoyer vite un mail au client pour leur dire surtout ne cliquez pas. Et ils nous disent, non, mais nous, on ne peut pas trier les adresses, on ne sait pas le faire. Bon. Donc les hackers, ils y arrivent, mais pas eux. Est-ce que vous avez pu avoir salle des appels ? Attention, là-bas, tout le monde est en ébullition. Bernard Sabat, spécialiste voyage, où en est-on ? Alors, je vais prendre la parole à sa place parce que moi, je suis avec Booking en ce moment. Ils essayent de retrouver le dossier de Valérie. Et je crois qu'en parallèle, Bernard appelle son contact privilégié. Alors, Bernard, vous me faites un petit point ? Oui, d'abord, il faut dire que la nouvelle directrice est arrivée depuis le 1er décembre, Julien. Elle s'appelle Vanessa Edorf. Donc, j'espère qu'elle va prendre le gros dossier en main. Et concernant donc la double facturation pour notre amie Valérie, j'ai eu quelqu'un de la direction qui va se rapprocher du service financier. Je pense que ça va se régler très vite. Pour Valérie, ça devrait même pas être discuté. C'est la moindre des choses. Ça devrait déjà être fait. Quand vous avez une cliente que vous débitez 2 fois et qu'on est une multinationale, c'est dans la minute et on s'excuse. Après qu'il y ait une petite enquête en ce qui concerne Alexandra, je veux bien, mais ça ne peut pas durer plus longtemps que ça. Oui, Céline, et après Maître Novakovic. Alexandra n'est pas du tout seule dans ce dossier. Dans cette situation, il y a une pétition qui est en ligne avec plus de 17 000 signatures. La pétition, c'est justice pour les hôteliers et clients victimes du piratage de l'extranet booking.com. Ouais. 17 000 personnes seraient au moins impactées par cette situation. Je pense que Booking va devoir réagir très rapidement. Bon, on avance. Règle d'or. Maître Novakovic, avant de passer à une autre arnaque. La règle d'or. Maître Novakovic. Alors, Julien, il faut savoir qu'il y a un double règlement. Donc, bien sûr, ça ne se discute pas. Vous l'avez tout à fait dit et bien dit. Parce qu'en fait, en référé, on peut obtenir le remboursement de cette somme puisque c'est une répétition de l'indu. Ce n'est pas normal. Et il faut également savoir que le siège social est à Amsterdam. Mais peu importe, la loi vous permet d'attaquer depuis un tribunal français. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ne vous posez pas la question. Si vous n'êtes pas remboursé, vous pouvez saisir le tribunal de votre choix. Oui. Parce qu'après, ce que vont faire les gens, ils vont se dire, tiens, on va aller regarder les hôtels sur booking.com et puis on va appeler directement le professionnel, comme ça je suis sûr de ne pas me faire pirater, ce qui est complètement idiot. On avance maintenant, le journal des arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Dans quelques instants, Pascal nous parlera de faux agents prétendant venir changer vos poubelles, mais je voudrais qu'on lance tout de suite les appels pour Laurent. Laurent qui nous arrive de Parampuire, que je connais par cœur là-bas. En Gironde, quand j'étais au lycée, j'avais une fiancée à Parampuire. Et peut-être votre épouse, d'ailleurs. Non ? Je plaisante. Qu'est-ce qui se passe à Parampuire, s'il vous plaît, Laura ?
Alors, je vais vous parler d'une nouvelle expérimentation. Donc, ça se passe dans un bureau de poste de la Gironde, donc de Bordeaux. Et alors, des cabines d'essayage ont été installées. Donc, je vous explique le but. Vous recevez votre colis, vos vêtements, vos chaussures. Vous les essayez sur place. Et si ça vous va pas, vous pourrez directement les renvoyer. Bon, alors, pas besoin d'inscription, pas besoin de payer. Ça fait juste un peu grincer des dents les commerçants parce que ça nous incite à acheter bien sur sûr. Internet et pas en magasin. Voilà. Laurent, vous êtes maître artisan carreleur mosaïste. On vous a jamais téléphoné dans l'émission ? Jamais. C'est que vous faites bien votre boulot. Bravo. Marié, deux enfants et le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Quand un artisan appelle un autre artisan, qu'est-ce qu'il devait faire chez vous, l'artisan ? Alors là, c'est une résidence secondaire que j'ai en Garonne, et avec une véranda, mais c'est les murs de ma cuisine en définitive. Et je voulais refaire ces murs-là, puisque en préparant notre retraite, on voudrait avoir un petit peu plus chaud actuellement dans notre cuisine. Combien il fait là dans la cuisine ? Il fait la température extérieure, puisque c'est une... D'accord. C'est juste un bout de verre qui nous sépare de l'extérieur. En tant qu'artisan, comment avez-vous fait pour trouver votre collègue ? Vous l'avez trouvé comment ? Alors, habitué à ce qu'on me pose la question, j'ai pris l'artisan le plus proche de chez moi. Ouais. Ça, c'est une bonne méthode. Après, on a des amis en commun, on a une boulangère en commun, on a vraiment quelqu'un qui a pignon sur rue, qui parle extrêmement bien, qui a été très très réactif à ma demande, qui a tout compris, qui a tout saisi, quelqu'un d'excellent. Alors, pendant qu'on est en train de l'appeler, essayons de comprendre, le devis total est de combien ? 24 000 euros. Et vous lui donnez combien dès le départ ? Alors, il faut savoir que ça, c'était au printemps. Nous, notre priorité, c'était de faire les travaux en septembre, tant qu'il faisait beau, parce qu'après, on est dehors. Combien lui avez-vous donné ? Alors, je lui ai donné 12 000 euros parce que l'alu a augmenté et qu'il fallait le rentrer avant l'été, bien sûr. Donc, on dépasse les 30 %, mais comme il savait qu'il allait avoir une grande augmentation, beaucoup agissent comme ça en disant « Faites vite, donnez-moi plus, sinon vous allez payer plus. » Et c'est comme ça qu'on tombe dans le panneau. Bon, peu importe. Vous lui avez donné 12 000. Qu'a-t-il fait exactement chez vous ? Alors, il a rien fait. Est-ce qu'il est venu ? Non, il devait venir en septembre. Après, il devait venir en octobre. C'est fou, ça. Et là, j'ai commencé à sentir que ça tournait vinaigre. Et donc, en tant qu'artisan, je connais un petit peu les réflexes. Donc, j'ai appelé son contrat d'assurance professionnelle, c'était la MAF. Ouais. J'appelle la MAF, on me dit qu'il n'est plus, il ne cotise plus déjà depuis 6 mois. Oh. Là, ça commence à me faire peur. Par contre, vous, en tant qu'artisan, que vous ne lui ayez pas demandé son attestation dès le départ, vous auriez pu. J'aurais pu. Ça, c'est le béaba. Si vous voulez savoir si vous avez quelqu'un de sérieux, et encore, ça présage même pas que vous ne vous ferez pas arnaquer, mais au moins, avant de donner un centime, vous demandez l'attestation et vous appelez. Parce qu'encore une fois, il peut avoir une attestation pour faire du carrelage et il va vous faire la toiture. Et ce n'est qu'à ce moment-là. Arrêtez de tomber dans le panneau qui consiste à dire « Évidemment que je l'ai, l'attestation. Mais je vais vous l'envoyer demain après-demain, je ne l'ai pas sur moi. » Là, vous savez, se tape en général torse pour la chercher. Et après, vous tombez dans le panneau, on est d'accord ? Je suis complètement d'accord. Alors, non seulement c'est une obligation, effectivement. Ok, plus que ça, qu'on ne soit pas d'accord ensemble. De joindre, effectivement, l'attestation d'assurance au devis, c'est obligatoire. Mais ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'il vous a réclamé, là encore, une somme importante à titre d'acompte. Donc, alors vous êtes professionnel vous-même. Donc, ce qui est fou, c'est que vous avez payé sans réfléchir, en fait. Vous avez mené une enquête. Il en est où, là, ce monsieur, aujourd'hui ? Donc, je continue. Mais l'assurance ne marchait pas. J'appelle son fournisseur d'aluminium, de barres d'aluminium, qui est à Lyon, à Lucas. Ouais. Je tombe sur un responsable financier qui me dit « Oula, non !» Une ardoise. On a une ardoise et puis on le livre plus. D'accord. Bon. Non, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des nouvelles de lui ? Je continue. À partir de là, j'ai dit « Vaut mieux que tu tiennes quelque chose. » J'appelle un huissier pour savoir comment on fait. L'huissier me dit « Oula, mais on le connaît bien. » Alors là, je commence à prendre peur. Et puis j'y vais à l'intox, je vais le voir, j'ai dit écoute, il faut que tu ta bonne foi, il faut que tu montes ta bonne foi et tout. Et il me sort le carnet de chèque, il me fait un chèque de 12 000 euros. Qui est en bois. Et qui est en bois. Alors, vous l'avez présenté une deuxième fois ? Je l'ai présenté une fois, j'ai eu le certificat de non-paiement. Mais il n'y a rien sur les comptes, l'huissier est allé ? Absolument rien, l'huissier est allé et l'huissier, dans sa bonne foi, me propose 150 euros par mois pendant 7 ans, alors qu'il va être à la retraite d'ici 6 mois. Bien, alors on va lancer le porte-voix parce qu'on a essayé de l'appeler, hein, Hervé, celle des appels, Hervé Pouchol. Écoutez, je tombe sur la messagerie. Alors, il est artisan, ça se trouve, il travaille tout seul. Moi, je veux bien comprendre qu'il soit en intervention actuellement. Je réessaye une dernière fois, je vous passe le répondeur. Allez-y, nous essayons donc de l'appeler. Ne vous inquiétez pas, ce qui n'est pas réglé le lundi, après. Il y a eu le bip. 77. Voilà. 62. Veuillez laisser un message après le bip. Fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Pas de bip ? Bah alors ?
À pied. Ah bah, il faut peut-être que j'appuie sur dièse. Mais sinon, je vais sortir le porte-voix. Ouais, à mon avis. Votre message est bien enregistré. Ah oui, il est bien enregistré. Ah, allez, ça c'est fort, ça. Bon. On va faire à l'ancienne, Hervé. C'est pas votre faute. Je pense que c'est mieux. Oui. Hein. Nous essayons d'avoir la menuiserie du Brulois. C'est bien ça. La menuiserie du Brulois. Charles Tonicello. Il est italien. D'origine. Arrière-grand-parents. Charles Tonicello, nous essayons de vous joindre. Monsieur Tonicello, vous avez pris 12 000 euros et vous n'êtes pas venu. Comprenez que ce monsieur est un petit peu contrarié. Donc, soit vous avez essayé de l'arnaquer, soit vous avez eu des soucis. Si vous avez eu des soucis, les soucis, ça s'arrange toujours. Sauf que le problème, c'est qu'il y a le fournisseur qui dit « Mon, on n'est pas payé ». Il y a l'assurance qui dit « Il ne paie pas l'assurance ». Donc, si au moment d'avoir signé tout ça, vous le saviez, là, Maître Novakovic, qui est à mes côtés, pourrait se dire « C'est du pénal ». En tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez vraiment très bien agi, puisque vous avez un chèque impayé qui peut être disputé. Mais avec un savot-titre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est assigner en liquidation judiciaire l'entreprise et à titre personnel. Ça marche. Et voilà, quand la personne sachant qu'il n'a plus rien, ce monsieur, apparemment. Donc, on essaie d'avoir Charles Tonicello, menuiserie du Brulois. Pascal Normand, vous m'entendez? J'ai une minute trente pour essayer d'expliquer à mes auditeurs téléspectateurs qu'il ne faut pas se faire avoir avec ces histoires de poubelles. Racontez-moi. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. En effet, c'est une histoire qui nous est relatée par nos confrères du Courrier de l'Ouest des Deux-Sèvres. Je me trouve à Bressuire parce que dans l'agglomération, il y a une arnaque actuellement qui sévit. Alors comment cela se déroule? Vous avez deux personnes qui se font passer pour des agents du service déchets de l'agglomération. Ils vont toquer à des portes, surtout celles de personnes vulnérables, de personnes âgées. Pendant qu'une personne discute, eh bien l'autre cambriole. Le prétexte, eh bien, c'est de venir changer les bacs poubelles, vous savez, ces grosses poubelles jaunes ou vertes, évidemment, c'est une arnaque. Alors, le bocage, l'agglomération du bocage Bressuirais, où je me trouve, a alerté la population en expliquant qu'actuellement, il n'y avait aucune opération de ce genre. Et si vous avez des faux agents qui se présentent comme travaillant à la ville ou à la mairie, eh bien, c'est une arnaque. Un petit conseil, Julien, quel que soit la ville, eh bien, les agents d'une mairie, d'une collectivité, quelle qu'elle soit, ne viennent jamais vous démarcher directement. Au préalable, vous recevrez toujours un mail, un courrier postal ou bien un coup de téléphone. Merci beaucoup, Pascal. Merci. On rappelle que le gros dossier de la matinée dans le Journal des Arnaques, c'est celui de Marie-Cécile, que nous essayons d'avoir absolument les services fiscaux et le cabinet de Bruno Le Maire pour qu'on la laisse tranquille, qu'on n'enfonce pas et qu'on ne creuse pas sa tombe parce que la pauvre aujourd'hui n'a plus rien. Tout le monde sait qu'elle est innocente et malheureusement, il ne se passe rien. Monsieur Le Maire, s'il vous plaît, on compte sur vous! Aidez-la! C'est le rôle de l'État que d'aider les Français. Allez, restez avec nous, nous allons voir si ça bouge sur tous les dossiers. On revient dans quelques instants. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. Les dernières minutes, mesdames et messieurs, sur M6. Alors, nous cherchons à joindre beaucoup de gens. Pour Didier, je vous le rappelle, qui a payé 2000 euros, personne n'est venu. Il attend toujours Pierre Deguine. Si vous pouvez nous aider à contacter ce monsieur de la société Laden, ça serait bien. On y revient dans les jours qui viennent. Oui, Bernard. Oui, écoutez, j'ai contacté la société EFI, hein, qui monte les projets pour la prime rénov. Ils avancent aussi en parallèle, donc je pense que ça va nous aider. La menuiserie du Brulois, ça concerne Laurent qui est avec nous. Laurent, lui, il a donné 12 000 euros et il n'a rien eu. Alors de là à ce qu'on imagine le pire, parce qu'on s'aperçoit que ce monsieur n'avait pas d'assurance, on s'aperçoit que ce monsieur n'a pas payé les fournisseurs. Monsieur Charles Tonicello, à vous de nous prouver que nous n'avons rien compris, que votre client va être satisfait, parce que là, il a l'impression malheureusement qu'il s'est fait arnaquer. Monsieur Charles Tonicello, merci de nous appeler, même en antenne, on vous rappelle dans les jours qui viennent. Valérie Alexandra, donc vous avez eu Booking, alors j'ai aucun souci pour Valérie, mais pour Alexandra, il faudrait qu'il bouge également, parce que sinon les gens vont appeler directement les hôtels pour réserver, hein, si ça se passe comme ça. On est bien d'accord, Julien, la directrice générale est au courant maintenant de ce dossier, peut-être qu'il y aura une action collective et Maître Novakovic le confirmera, mais en ce qui concerne Valérie, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a dû recevoir un mail, elle va donner ses numéros de carte de crédit et elle va être rebitée, Julien. Ah, très bien, voilà, vous allez être rebité, hein, donc vous m'appelez.
rappellerai dans quelques jours en me disant, ça y est, M. Courbet, j'ai été rebité, sinon vous allez nous vexer. Bon, alors celle qui aimerait bien être non pas rebité, parce qu'ils veulent lui prendre 1 600 000, mais ils peuvent toujours essayer, elle n'a rien, elle vit avec 500 euros par mois, puisque son mari a fait n'importe quoi, a donné ses cartes de société à deux femmes qui ont dilapidé 1 600 000 euros. Bah, lui-même a dû se servir un peu quand même, a dû mener chauffeur, machin, restaurant, je suppose. Et aujourd'hui, on lui dit, bah, c'est vous qui allez payer. Elle a été mise sur écoute, suivie, interrogée, et tout le monde s'est aperçu qu'elle n'avait pas touché un centime pour la bonne et simple raison qu'elle n'était au courant de rien. Mais le fisc dit, nous, la loi, c'est la loi, elle est mariée, c'est elle qui paie, vu que lui, maintenant, il a tellement de soucis qu'il ne peut pas payer. Ce qui est ridicule, elle a 500 euros par mois. Vous n'aurez rien, donc, à part tous les jours lui mettre un stress supplémentaire et l'obliger à prendre des cachons pour essayer d'oublier tout ça, il ne se passera rien. Donc, monsieur le maire, je vous en supplie, je sais qu'il y a une loi, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur le gouvernement. En attendant cette loi, qu'on lève un petit peu le pied pour qu'on la laisse vivre et au moins respirer normalement. Et nous cherchons à joindre Solène Manac de la société Imisol, qui est donc le vendeur, le marchand de biens, qui a viré sa fille. Bon, ça, ils l'ont fait, ils avaient le droit, hein, visiblement. Mais ils ont pris toutes les fringues, ils ont pris les objets et ils n'ont rien rendu. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc, on vous rappellera, Madame Manac. On fait comme ça, Marie-Cécile, on ne laisse pas tomber. Merci, merci. Merci, merci à vous tous de nous avoir fait confiance. Merci, Céline, c'était sa première. Oui, merci. Donc, elle va vous offrir un petit coup à boire, très certainement. Vous avez prévu quelque chose. Bah, de toute façon, je crois que nos amis habitent en région. C'est bloqué aujourd'hui, ils peuvent pas prendre le train. Donc, on va aller voir un concert. Vous allez peut-être pas repartir. Hein. Auquel cas, il faudra qu'on invente des histoires pour demain. Hein. Vous inventez une autre arnaque. Ou... on voit bien quelque chose. Non, mais c'est vrai, il faut s'assurer. Pour pouvoir repartir, Stan, vous croyez tous ces gens-là? Oui. On va espérer. Sinon, écoutez, bah, ils seront là et puis on relancera leur dossier demain. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On pourra vous loger. Personnellement, je logerai Alexandra, Valérie, Marie-Cécile. Donc, apparemment, vous, Stan, vous partagerez votre lit avec Didier. Oh, bah, c'est pas de souci. Il ronfle un peu. Bon, les clics-clacs, ça ne le dérange pas du tout. Bon, bon. Et ben, Laurent, vous finissez Chervé Pouchol. Merci beaucoup. Écoutez, moi, quand on peut rendre service, il y a Choupron. Oui, on le fait. Merci, Maître Novakovic. Merci, Julien. Merci beaucoup. On se retrouve donc dès demain sur M6 à partir de 10h05 et puis pendant 2h30, on vous aide. Vous avez un souci, ça peut vous arriver @m6.fr. Bonne journée sur M6. Game over.